Et voilà, donc bonsoir encore à tous, merci à tous d'être présents ce soir. Donc je suis super, méga, giga excitée pour cette formation, ça m'a pris des semaines de préparation, un truc de fou. Vous n'avez pas idée toutes les vidéos et tous les tutos que j'ai regardés pour pouvoir vous faire cette formation parce que ben, moi aussi j'ai envie de me mettre à Instagram. Donc bien évidemment, ne vous attendez pas quand vous allez regarder mon compte Instagram à avoir des milliers de followers ou quoi parce que ben, moi j'apprends Instagram comme vous. Mais la différence, c'est que ben, j'ai étudié ceux qui ont beaucoup de succès, j'ai étudié beaucoup de formations et j'ai essayé de condenser en fait les infos pour vous le retranscrire. Et c'est des choses que j'applique aussi en même temps. Donc, ça m'a pris 3 jours d'effacer tout mon Instagram, mais je ne l'ai pas entièrement supprimé. C'est ce que je vous déconseille de faire si vous avez si vous avez des followers. Ne supprimez pas votre compte pour en refaire un nouveau. Effacez juste vos photos et recommencez vos posts pour que vous puissiez être cohérent avec ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Mais ne recommencez pas si vous avez déjà une base de followers, d'accord? Parce que sinon, c'est un peu dommage, vous allez reprendre à zéro. Voilà quoi. Donc, je vais vous donner un peu le sommaire de ce soir. Comme ça, vous savez un petit peu de quoi on va parler. Je vous conseille très fortement de rester jusqu'au bout. Ça va sûrement être un peu plus long qu'une heure parce que c'est quand même quelque chose qui est important. C'est comme la formation Facebook qu'on a fait la dernière fois. Tout dépend aussi des questions que vous aurez à la fin. Donc, je répondrai à vos questions qu'à la fin, pas entre-temps parce que sinon, je vais perdre le fil. OK ? Donc, petit sommaire de la soirée. Donc, on va parler en premier de quelques chiffres concernant Instagram. On va parler de la base d'Instagram, le thème, la bio, le grid ou le feed layout, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, les hashtags, les posts, comment booster l'engagement sur Instagram, ce qu'il ne faut pas faire, les jeux concours et les applications que j'utilise et qui sont recommandées dans ce domaine. Alors déjà, dites-moi un peu, vous êtes super content de faire cette formation ? J'espère hein, parce que j'en ai des choses à vous dire. Ok, alors d'abord quelques chiffres qui vont vous faire comprendre pourquoi on doit aussi développer sur Instagram. Et moi, ce qui m'a mis une claque, et je pense que ceux qui étaient à The One avec moi pourront le dire aussi, il y a beaucoup de gens qui sont des, comme on dit en anglais, des social media queens, donc ça veut dire des reines des réseaux sociaux, qui ont intégralement développé leur business sur Instagram. Et là, je me suis dit, Vanessa, tu passes à côté de quelque chose, il faut que tu étudies le truc. Donc, quelques chiffres qui vont vous faire comprendre pourquoi Instagram, c'est un truc de fou. Je pense que j'en avais vraiment, vraiment pas conscience. Donc, déjà, il faut savoir qu'en 2017, c'est la plateforme qui a eu la plus grande croissance de tous les réseaux sociaux. Elle est 4 fois plus utilisée que Pinterest et Snapchat. Donc, imaginez. 50% des gens regardent les stories. Vous savez, les petites stories qu'on a en haut, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous montrerai tous les jours. Les influenceurs, donc les influenceurs, c'est vraiment les personnes qui ont beaucoup d'influence sur Instagram, qui sont très suivies. Voilà, ils ont 30% d'engagement plus bien souvent que les autres. Instagram a plus d'engagement que Facebook, donc il faut le savoir, on ne dirait pas comme ça, mais beaucoup plus d'engagement des gens qui sont en fait sur Instagram que sur Facebook. 54% de plus que sur Pinterest et 84% de plus que sur Twitter. Donc, c'est vraiment un réseau qui est en pleine explosion et qu'il ne faut pas négliger. Sachez que quand vous démarrez Instagram, surtout en ce moment, seulement 10% de vos posts sont vus. Donc, si vous ne boostez pas l'interaction, bah, vous ne pouvez pas être vu. Et pour ça, ben, en fait, en boostant l'interaction, vous allez pouvoir faire en sorte que les 90% restants vous voient. Alors, quelques petites règles. Et pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, je vais vous montrer tout à l'heure. Vous savez qu'on peut s'abonner et les gens peuvent s'abonner à nous sur Instagram. Ça s'appelle « follow » quand on suit quelqu'un. Et donc, un follower, c'est quelqu'un qui vous suit. Et vous, follow, c'est quand vous suivez quelqu'un, d'accord? Ou abonné, abonnement. Abonnement, c'est quand vous, vous êtes abonné à quelqu'un. Abonné, c'est quand quelqu'un est abonné à vous. Donc, c'est complètement différent de Facebook. Sur Facebook, quand vous êtes amis tous les deux. Chacun voit l'un l'autre. Alors que sur Instagram, vous pouvez suivre quelqu'un qui ne vous suit pas et inversement. D'accord ? Donc, les gens qui sont un peu des fous d'Instagram, ils savent qu'il faut follow and follow, comme on dit, donc suivre et se désabonner, qu'il faut liker beaucoup et qu'il faut commenter beaucoup. Mais Instagram a aussi un algorithme comme Facebook.
Et il faut savoir que très récemment, en fait, Instagram a complètement révolutionné son jeu, puisque depuis début 2018, ils ont complètement changé l'algorithme Instagram. Donc, tout ce que vous pouvez trouver sur Google, si vous ne regardez pas que ce soit daté de 2018, ce n'est plus d'actualité. Donc, même des choses que j'ai dit à certains il y a quelques jours, ou il y a quelques semaines, ce n'est plus d'actualité, parce que l'algorithme, il a complètement changé. Donc, l'algorithme, c'est quoi? C'est ce qui va faire que vous soyez vu ou pas. Et c'est ce qui va faire que, vous savez, sur Facebook, on peut être en prison Facebook, donc ne plus pouvoir envoyer de messages, ne plus pouvoir ajouter d'amis, ce genre de choses, ou même être bloqué pendant plusieurs jours ou sur les groupes. Et bien, sur Instagram, c'est pareil, sauf que chez eux, c'est encore pire parce que vous pouvez être ce qu'on appelle un shadow ban. Donc, un shadow ban, ça veut dire qu'on vous met dans l'ombre, ça veut dire que plus personne ne vous voit. Voilà. Et ou alors, vous pouvez carrément voir votre compte supprimé. Et pour ça, faut vraiment faire attention aux règles. Parce que je vous garantis que si vous arrivez à avoir 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés, que vous avez votre compte supprimé, vous allez pleurer parce que c'est horrible. Donc, quelques règles, des nouvelles règles. Alors, on n'est pas encore sûr à 100%, mais c'est les personnes qui sont très actives sur Instagram qui ont fait plus ou moins ce qu'elles ont constaté, mais il n'y a pas de truc officiel qui dit quelles sont les règles d'Instagram. Mais à savoir, donc pour la limite de suivre, parce qu'on peut suivre et se désabonner, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui existent aujourd'hui pour suivre en masse des gens et se désabonner de tous les gens qui ne vous suivent pas. Alors ça, c'est plus la peine de les utiliser parce que ça vous fait automatiquement mettre à l'ombre par Instagram, d'accord ? Donc, ne le faites pas. Vous pouvez le faire manuellement. Donc, vous pouvez vous aller suivre comme on fait sur Facebook, ajouter des amis, etc. Vous pouvez suivre un certain nombre de personnes et vous désabonner des personnes qui ne vous suivent pas ou des comptes qui ne vous plaisent pas, mais pas au-delà d'un certain nombre. Donc, a priori, ce qui passe par jour, la limite, ce serait 300 à 350 nouveaux abonnés ou se désabonner par jour la première semaine, d'accord ? Après, vous pouvez augmenter de 50 à 70 par semaine, mais vous ne pouvez pas dépasser 800 par jour. Je sais, ça semble beaucoup, mais il y en a, vous allez voir, on peut faire clic, 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 clic pour s'abonner, se désabonner, ça peut aller vite. Vous ne pouvez pas dépasser cette limite, sinon vous êtes automatiquement bloqué, voire supprimé par Instagram. Donc, en fait, ça fait à peu près 70 par jour si vous faites 5 heures par jour, quoi. Voilà, à peu près. Non, attends, je vous dis une bêtise, 70 par heure, je me suis trompée. 70 par heure si vous faites 5 heures à peu près sur Instagram par jour, ou tous les débuts d'heure vous follow et unfollow. C'est ce que font ceux qui travaillent tout le temps sur Instagram. Pour les likes, alors, il faut multiplier par une fois et demie le nombre d'abonnements par jour. Donc, si vous abonnez, un exemple, à 400 personnes par jour, vous pouvez liker jusqu'à 600 likes. Mais clairement, pour aller à autant de likes, bon courage, j'ai envie de vous dire. C'est pas le but. Mais juste que vous sachiez, pour les personnes qui font like, 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 parce qu'on peut liker encore plus facilement sur Instagram, faites gaffe, vous pouvez vous faire bloquer. Les commentaires, on ne peut pas aller au-delà de 250 commentaires par jour maximum. D'accord. Donc ça, pour l'instant, c'est ce que les fous d'Instagram ont constaté. On ne connaît pas les chiffres exacts parce que ça vient tout juste de changer. Mais il faut savoir qu'avant, c'était beaucoup plus. Et voilà. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait Instagram, ça peut sembler bizarre, ces chiffres-là et tout. Mais je vous garantis qu'il y a des gens qui font du follow and follow de ouf, surtout grâce à des applications. Donc, voilà. Faites juste en sorte de ne pas dépasser ça. Alors, le conseil que je peux vous donner pour vous abonner et vous désabonner, c'est mieux de faire genre, pendant plusieurs heures par jour, chaque début d'heure, vous en suivez quelques-uns et vous vous désabonnez de quelques-uns, plutôt que de faire tout en masse et après de se faire bloquer. D'accord ? En plus, ce sera moins chiant de le faire en plusieurs fois. Donc, avant de vous montrer comment ça fonctionne, je vais juste vous expliquer la base d'Instagram. Donc, il faut savoir qu'Instagram, c'est complètement différent de ce que vous connaissez sur Facebook. Ça n'a absolument rien à voir. Le texte, il a vachement moins d'importance que l'image. Tout passe par l'image. C'est plus du qualitatif que du quantitatif. D'ailleurs, si vous postez trop sur Instagram, vous êtes aussi mis à l'ombre. Voilà. 3 max. C'est déjà bien sur Instagram.
ça ne sert à rien de poster en masse, vous allez vous faire bloquer et les gens vont se désabonner de vous. Il y a une différence entre abonnement et abonné. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien compris, un abonnement, c'est quand vous vous abonnez à quelqu'un. Un abonné, c'est quand quelqu'un s'abonne à vous. D'accord ? La beauté de votre Instagram, elle va vraiment primer parce que vous avez 7 secondes pour séduire la personne qui va regarder votre Instagram. Quand vous likez, commentez. Si votre profil, il ne plaît pas comme ça de but en blanc, il ne vous suit pas. Et pour qu'il vous suive, voilà, il y a peu de chances que ça se passe. Donc, en fait, il doit vraiment déchirer votre Instagram quand on le regarde. Il faut avoir énormément de patience sur Instagram. Ça prend plus de temps à développer que sur Facebook parce qu'il faut vraiment que vous construisiez un truc qui soit beau et qui donne envie aux gens. Donc, et puis, les abonnés, le fait que ce ne soit pas comme Facebook ou quand on ajoute en ami, on est en ami tous les deux, forcément, ça prend plus de temps de se construire une audience. D'accord ? Mais si vous suivez tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, lentement mais sûrement, vous allez vous construire un bon Instagram. D'accord ? Donc, avant de vous donner les différents sujets que je vous ai énumérés dans le sommaire, je vais vous partager mon écran de mon téléphone et je vais vous montrer comment fonctionne Instagram. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous pour qui c'est tout nouveau et qui ne comprennent pas trop comment ça marche. Et j'avoue que au début, j'avais du mal aussi. Alors, je me dis que rien de mieux que vous montrer carrément comment ça fonctionne. Donc, je vais sortir du partage ici et je vais vous partager mon écran de mon téléphone. Vous me dites quand vous le voyez. Hop. Est-ce que vous voyez mon téléphone? Ouais. Ok. Donc, je vais aller sur mon Instagram et puis je vais vous montrer en fait comment ça marche. Donc, je vais parcourir les différentes rubriques. Alors, je l'ai exprès mis en français pour vous parce que normalement, il est en anglais, le mien. Et voilà, je vais vous expliquer. Alors, moi, j'ai un Android. Peut-être que sur iPhone, ce sera un petit peu différent. Mais voilà. Alors, quand vous arrivez sur… ah mince, ce truc, il va m'emmerder là. Ah, voilà. Quand vous arrivez sur Instagram, c'est comme ça, d'accord ? Donc, en haut à gauche, le petit appareil photo que vous avez, c'est pour aller directement sur votre story. La story, je vais vous montrer ce que c'est dans 2 minutes. Ok ? Donc, la story, c'est ça. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne. La story, c'est les petits ronds que vous voyez juste ici, là, sur l'écran. Donc, les petits ronds que vous voyez là. Donc, ça, c'est des personnes qui ont posté dans leur story. Donc, la story, pour ceux qui connaissent Instagram, c'est un peu similaire à… Snapchat. C'est un peu similaire à Snapchat. On peut poster des trucs qui restent postés 24 heures. D'accord ? Plus vous êtes actif sur les stories, plus vous avez de chances d'apparaître dans les tops qui sont tout devant, ici. Vous êtes toujours là en premier. Ça ne veut pas dire que les gens vous voient en premier. C'est juste pour que vous voyez. Ici, en haut à droite, c'est ce qu'on appelle les DM, les direct messages. Donc, c'est comme des MP sur Facebook. Mais sur Instagram, ça s'appelle des direct messages. Donc, je vais cliquer dessus et vos messages, ils sont ici. Alors, ce qui est juste chiant sur Instagram, c'est qu'il n'y a pas comme Messenger où on peut recevoir des bulles actives et tout. Donc, en fait, il faut toujours surveiller que vous n'avez pas de message ici, en fait. Sinon, vous pouvez ne pas voir que vous avez des messages. Donc, c'est un petit peu plus embêtant pour voir les messages que sur Facebook, on va dire. Mais voilà. Ensuite, au milieu, donc, vous avez les stories. En bas, vous avez votre menu qui est en bas en long. Donc, comme vous voyez, la petite maison, la loupe, le plus, le cœur et le petit bonhomme. Donc, avant de vous expliquer tout ça, je vais vous montrer chaque rubrique ce que c'est. Donc, on va commencer par les stories, sachant que… pourquoi j'ai été sortie ? Mince, attendez. Désolée, excusez-moi, j'ai été sortie. Sachant que la story, je ne vous ferai pas une formation sur les stories aujourd'hui. Ce sera l'objet de la formation de mardi prochain parce que clairement, ça nécessite une formation… À eux tout seuls si vous voulez vraiment l'optimiser parce qu'il faut savoir que les stories, ça révolutionne vraiment Instagram. Donc, clairement, ça change la donne, mais ça, je vous expliquerai à la formation prochaine parce que je veux vraiment que vous sachiez comment les maîtriser. Donc, la story, vite fait, rapidement, je pense que quelqu'un essaye de m'appeler et c'est pour ça que je me fais éjecter toutes les 2 secondes. Voilà. Donc, la story, je vais vous montrer quand vous cliquez dessus. Donc, ça, c'est la mienne.
Donc, on peut voir ce que j'ai posté. Donc, ça marche comme Snapchat. On peut taper dessus pour passer au suivant. Ou on peut même aller de droite à gauche si on veut, voilà. Mais en tapant ça, voilà, on voit ce que j'ai posté aujourd'hui. Je peux taper directement sur les bulles d'à côté pour voir les stories des autres. Donc, si je tape juste sur l'écran, je vois la suite des stories de cette personne. Mais si je tire mon doigt, regardez-moi sur l'écran, si je fais ça, en fait, je passe à la personne suivante. D'accord ? Si je bouge le doigt. Par contre, si je touche, je vois les posts de la même personne. OK ? Il faut savoir que les stories vont automatiquement passer d'une personne à l'autre si vous continuez à appuyer. Donc, vous voyez là, les trois qui sont en gris, c'est parce que je les ai déjà vues. D'accord ? Celle qui est rouge, c'est parce que je ne l'ai pas encore regardée. Vous pouvez aussi décider de tout regarder en cliquant en haut sur tout regarder et elles vont s'enchaîner les unes après les autres. Voilà. D'accord ? Et si j'appuie avec mon doigt, bah, je peux aller plus vite ou carrément passer à la personne suivante. D'accord ? Dans une story, vous pouvez aussi, ça c'est le seul truc que je vais vous dire, commenter, liker, envoyer une émoticône et voilà. Donc, ou même envoyer une photo. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer ? Alors, dans les stories, il y a des trucs super cool à faire. Je préfère encore les stories qu'Instagram pour vous dire. Je peux aller choisir une photo dans mon téléphone si je veux poster une photo. Alors, bien sûr, attention, c'est en format de l'écran de votre téléphone. Donc, ne mettez pas un truc carré, ça ne va pas marcher. Voilà, par exemple, vous voyez, si je mets ça, bah, le texte, il va être coupé en bas. Donc, il faut absolument prendre des images qui ont le format que vous vouliez. Par exemple, celle-là, elle peut passer parce qu'on voit en entier. Vous voyez ? Je vais juste pousser ça. Voilà. Alors, vous pouvez, en bas, vous voyez, il y a un petit menu là quand je tourne mes doigts. Donc, si vous allez tout devant sur texte, vous pouvez écrire directement ici, écrire directement sur la couleur. Vous pouvez changer sur la petite boule ici les couleurs. Ici, vous pouvez faire un live. Donc, les lives se font à partir de la story. Donc, après, vous êtes en direct et ça marche un petit peu comme Facebook. Ici, c'est pour faire une photo normale. Donc, disons que je veux faire une photo là. Hop, voilà. Et donc, ça, c'est une photo normale. Après, il y a Boomerang. Donc, Boomerang, vous connaissez tous. Si je peux bien sûr tourner l'écran vers moi sur les petites flèches. Vous connaissez tous. Voilà, regardez. Vous connaissez tous Boomerang. Après, vous pouvez faire… Alors, ça, c'est ma préférée. Il faudrait que j'ai le son, mais je vais mettre le son. Ah non, sinon vous allez m'entendre parler, mais… Voilà, vous pouvez faire ça. Et si vous touchez le petit signe qui est là, ça peut faire autrement. Voilà. Vous voyez le petit signe au milieu, la petite note de musique. Voilà. En fait, vous pouvez changer. Il y a une musique qui va avec. Mais là, vous ne pouvez pas l'entendre puisque en même temps, je vous montre. Donc, vous avez ça aussi. Voilà. Vous voyez, je vous montre des petits trucs. Oups, pardon, je suis ressortie. Donc voilà, en bas, il suffit de bouger sur le menu. Vous pouvez inverser votre vidéo. Donc, vous pouvez vous filmer et la faire en sorte qu'elle passe à l'envers. Et si vous avez besoin d'avoir vos mains libres, vous pouvez prendre une photo et ça la prend en décalé avec le compteur parce que des fois, ben, vous avez besoin d'avoir vos mains libres. Vous avez le flash aussi. Ici, si vous avez besoin. Et ici, comme sur Snapchat, vous avez des petits bonhommes. Voilà, vous voyez, je vous dis, je préfère encore. Je suis pas mignonne comme ça. Voilà, donc vous avez plein de trucs super sympas. Vous pouvez filmer, vous pouvez prendre en photo. Voilà, et vous pouvez l'utiliser dans votre story. Donc, une fois que vous avez pris une photo, je ne vais pas le faire, mais je vais vous montrer comment ça fait. Je vais juste retourner l'écran. Une fois que vous avez pris… Une fois que vous êtes ici, que vous avez pris, je ne sais pas moi, une photo, on va prendre au pif. Je vais prendre la photo devant. En bas, vous voyez, à gauche, il y a écrit « Enregistrer ». Donc, vous pouvez l'enregistrer dans votre téléphone ou vous pouvez l'ajouter sur la story en cliquant sur « Plus votre story ». Ou vous pouvez l'envoyer à quelqu'un en particulier en cliquant sur « Envoyer à » et ça envoie directement à la personne. Donc là, je vous donne juste les infos de base de la story, mais la semaine prochaine, vous ferez vraiment une formation complète sur toutes les fonctionnalités que vous avez. En haut à droite, vous pouvez choisir l'écriture. Quand vous cliquez sur A, vous pouvez changer la couleur. Donc, on va mettre un truc au pif. Voilà. Et vous pouvez changer le texte ici. Vous pouvez même
changer la taille ici sur le côté, la couleur, voilà. Et vous pouvez même, en haut, si vous cliquez sur le A, j'aimerais bien qu'on arrête de m'appeler, ce serait cool. Voilà, et si vous appuyez sur le A, ici, ok, décidément, je suis désolée. Et si vous cliquez là sur le A, ça le met en surbrillance. Voilà. Et après, vous pouvez cliquer sur le petit stylo et écrire directement. Vous pouvez même écrire en couleur, comme ça, en bas. Voilà, vous pouvez le mettre en un petit peu en spray. Enfin, voilà, vous pouvez changer plein de fonctionnalités. Enfin, voilà, à vous de jouer un petit peu avec pour voir tout ce que vous pouvez faire. Et une fois que vous avez fini, vous cliquez sur le petit encadreur en haut. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône, mettre le lieu où vous êtes. Et ça va si vous avez la localisation qui est allumée, ça va forcément trouver des lieux autour de chez vous. Vous pouvez mettre les degrés, vous pouvez mettre, en tapant sur le petit carré en haut, vous pouvez mettre un hashtag, vous pouvez mettre un sondage, vous pouvez mettre un gif, vous pouvez mettre des émoticônes. Enfin bref, voilà, juste pour vous expliquer brièvement, comme dit, ça fera l'objet de la prochaine formation. Mais vous avez plein de trucs super sympas à utiliser. Donc clairement, moi j'utilise plus ça que Snapchat. Voilà, je préfère. Mais ça, c'est mon opinion. Il y a un décalage en fait entre ce que je vous montre et voilà. Donc on revient à l'écran principal. Vous pouvez aussi regarder sur la photo où vous me voyez, enfin sur la vidéo où vous me voyez, vous pouvez sans toucher la caméra juste slider l'écran pour arriver sur votre story, d'accord, si vous voulez y aller plus vite. Donc on revient au menu principal, enfin sur la page principale quand vous arrivez sur Instagram. En haut à droite, donc comme dit, vous avez les directs messages sur la petite flèche. Et vous voyez, ici, je peux rechercher. Donc, je peux rechercher par nom ou par mot-clé. Et en haut à droite, vous voyez le petit « un demande ». Ça, ça veut dire que quelqu'un m'a fait une demande de message, mais je ne l'ai pas accepté parce que c'est quelqu'un qui veut me vendre un truc. Voilà. Mais sinon, sachez que de temps en temps, il faut regarder vos demandes. C'est un petit peu comme les personnes sur Facebook qui sont dans message, message request ou demande de message. Voilà. Et maintenant, si je prends à n'importe qui, donc on va ouvrir mon fils. Ah, bah ça ne marche plus, mais ce n'est pas grave. Sachez que si maintenant j'envoie un message, voilà, et ben je peux, si je vois que la personne m'ignore et ne me répond plus, devinez ce que je peux faire. Je peux enlever mon message. Comme ça, ce qui est super, c'est que si la personne, elle vous a ignoré 36 millions de fois, vous pouvez supprimer les messages précédents parce qu'elle, elle ne se souviendra pas du nombre de fois où vous lui avez écrit. Mais par contre, bah vous, pour ne pas passer pour la personne qui réécrit 350 millions de fois, vous pouvez en fait laisser qu'un seul message ou deux messages par exemple. Vous pouvez bien sûr ajouter une photo en message privé. Vous pouvez ajouter un texte comme dans la story. Vous pouvez ajouter une photo normale en fait, comme ça. Et vous pouvez liker. Voilà. Donc, un petit cœur comme ça. Donc, voilà pour les trucs principaux. Si vous voulez bloquer quelqu'un, c'est sur le petit « i » en haut à droite. Vous pouvez bloquer ou signaler. Et vous pouvez désactiver les notifications si c'est quelqu'un qui vous écrit tout le temps. Ou activer les notifications. Vous voyez en haut à droite, vous pouvez activer ou désactiver. Voilà. Donc, voilà pour les messages. Ensuite, donc sur le fil d'actualité, donc je vous ai parlé des stories. Donc, un petit peu, parlons du fil d'actualité. Donc, si je remonte, là, c'est comme Facebook. Je vais voir les gens à qui je suis abonnée. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont abonnés à moi. C'est les personnes à qui je suis abonnée ou des posts sponsorisés que Instagram va décider. Par exemple, là, vous voyez en dessous de A Wrinkle in Time, il y a écrit sponsorisé. Instagram, bah, c'est quelqu'un qui a payé une pub. Donc, Instagram va me le montrer. Donc, ils essayent de mettre des trucs qu'ils pensent qui vous intéressent ou des fois, c'est tout simplement un film ou quoi. C'est des fois même un peu chiant, mais bon, c'est comme sur Facebook, ça en fait partie. Donc, quand vous êtes sur Instagram, vous pouvez liker en tapant deux fois sur l'image. Voilà, vous avez vu le cœur apparaître ou vous pouvez directement taper sur le petit cœur en dessous. Donc, je vois que c'est en décalé quand je vous montre quelque chose. Voilà, vous pouvez cliquer directement sur le cœur. Pour commenter, vous pouvez cliquer sur l'espèce de petite bulle qui est en dessous. Voilà. Et là, vous pouvez commenter directement en dessous.
Et vous pouvez même mentionner la personne quand vous répondez. D'ailleurs, c'est mieux. Donc, par exemple, là, elle s'appelle Jess Disney Diaries. Donc, moi, je vais chercher hashtag et je vais mettre Jess. Voilà, ça va me le proposer. Jess Disney. Pourquoi ça ne me le propose pas ? Si, voilà, Jess Disney Diaries. Donc, je vais cliquer dessus. Et ça va lui envoyer une notification que je me suis adressée à elle. Et je vais lui marquer, par exemple, trop belle photo. C'est super Animal Kingdom. Donc là, je ne vais pas le faire, mais pour vous montrer. Je peux aussi décider, en dessous du post, vous voyez, il y a une petite flèche à côté du... Donc, il y a le cœur, il y a la petite bulle et il y a une petite flèche. Je peux envoyer ce post à quelqu'un. Si je pense que ce poste, il va plaire à quelqu'un, bah, je peux l'envoyer à quelqu'un qui, avec qui je suis abonnée. Voilà. Ou je peux même créer un groupe et je peux l'envoyer au groupe. Donc, voilà. Alors, à savoir aussi, petite chose que je ne vous ai pas dit, quand quelqu'un commente votre story, ça va ici dans les messages. Donc là, par exemple, vous voyez, Laetitia, elle m'a mentionné. Donc, je vais ouvrir. Laetitia, alors on voit, il y a un récap de ce qu'elle m'a... de sa story et elle m'a mentionné dessus en fait. Donc voilà. Et quand quelqu'un répond en dessous de votre story, c'est pareil, il y a un récap de votre story et il y a écrit ce que la personne a écrit en dessous. Voilà. Ensuite, donc le menu qui est en bas. Donc là, voyez, on est sur la maison parce que la petite maison qui est en bas à gauche, c'est votre menu principal, c'est votre fil d'actualité. Bienvenue dans WRC5. Le jeu officiel du championnat du monde. Bon, je vais essayer de garder vos micros fermés, s'il vous plaît. Voilà, donc la petite loupe que vous voyez à côté, c'est ce qu'on appelle en anglais « explore ». Donc ici, ça s'appelle « rechercher ». C'est la page où tout le monde veut être. En gros, c'est les personnes qui apparaissent en premier dans la page « rechercher ». Ça veut dire que c'est les personnes qui sont vachement vues, forcément. En fonction aussi de vos intérêts. Donc, vous voyez toujours au-dessus, je vois toujours les stories. Il y a quelqu'un qui est en direct. D'ailleurs, si vous voyez en haut à gauche, donc il y a des gens qui sont en direct, ils apparaissent tout de suite au début. Et là, moi, dans rechercher, je peux chercher ce que je veux. Par exemple, ben là, il va y avoir un historique de ce que j'ai cherché. Et si je tape, par exemple, Quito, voilà. Alors, vous voyez en haut, il y a quatre points. Il y a trois petits traits. Donc, ça, c'est toutes les personnes qui apparaissent en premier dans Quito. Si je clique sur le petit bonhomme, ça va mettre toutes les personnes qui ont le mot Quito dans leur nom. Donc, si je cherche quelqu'un, tous les tags, les hashtags avec le mot Quito dedans et les lieux qui comprennent le mot Quito dedans. D'accord ? Donc, si vous cherchez quelque chose en particulier, bah, vous cherchez des hashtags, par exemple, vous en avez plein. Et comme vous voyez en dessous, sous chaque hashtag, il y a le nombre de publications qui ont été utilisées avec ce hashtag. Donc, vous voyez, plus on descend, moins c'est des hashtags utilisés. En général, les plus utilisés, les plus populaires sont au-dessus. Voilà, ça vous donne une petite idée. Donc, vous voyez, des Quito, il y en a à l'appel. Voilà, les gens. Donc, c'est pour ça aussi que je vous disais la dernière fois, c'est très important, on en parlera tout à l'heure, d'avoir votre vrai nom sur Instagram, en fait, parce que regardez, si je cherche maintenant, je ne sais pas moi, Alexandre Raffi, et ben voilà, il a son vrai nom, donc je le trouve. D'accord ? Par contre, s'il n'a pas son vrai nom, s'il s'appelle Alex du 67 68 42 24, je ne vais jamais le trouver. D'accord ? Donc, voilà. Donc, c'est hyper important d'avoir votre vrai nom, à moins que vous connaissiez le pseudo de la personne. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment se retrouver sur cette page, mais ça, c'est toutes les choses les plus populaires. Donc, ça peut être aussi bien d'aller voir, par exemple, j'adore cette image, je vais cliquer dessus. Excusez-moi, 285 105 likes. OK. Donc, je vais regarder, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont mis comme hashtag ou autre pour avoir cette visibilité. Ça peut vous donner en fait de l'inspiration dans ce que vous faites, ok ? Voilà, donc c'est bien d'aller voir un petit peu ce que les top posts ils font en fait pour être tout devant. Donc des fois il y a des célébrités, il y a des posts sponsorisés, mais voilà, ça peut être sympa un peu de voir aussi le type de photo qui marche bien, etc. Donc vous voulez apparaître dans cette page là et ça je vous explique tout à l'heure comment faire. Ça prendra du temps bien entendu hein, pour être à côté de Kim Kardashian, on est bien d'accord. Voilà, au milieu le petit plus c'est pour poster, sur votre Instagram à vous. Donc je sais pas, disons que je veux poster cette photo,
je vais pas le faire, mais voilà. Alors, sur le petit carré qui est, donc vous avez votre galerie en fait qui s'ouvre en bas. Donc, vous avez en bas à gauche galerie, au milieu photo. Si vous voulez prendre une photo, vous les postez. Et à droite, vidéo, si vous voulez prendre une vidéo, vous les postez. Sachant qu'on est limité, je ne sais plus si c'est 1 minute ou 2 minutes, mais c'est court. En fait, les vidéos, elles ne sont pas très longues qu'on peut poster. Par contre, ce qui est super dans les vidéos Insta, c'est que pendant la vidéo, je peux tourner en fait la flèche. Donc, ça, c'est assez sympa parce qu'on ne peut pas le faire souvent. Donc, si on va dans Galerie et que je veux poster cette photo, on peut décider de toucher la petite boule grise à gauche pour voir un petit peu plus de la photo. Voilà. Après, moi, les deux icônes du milieu, je ne les utilise pas. Et sélection multiple, c'est si vous voulez créer un album. Perso, moi, je ne crée pas d'album sur Insta parce que je trouve que comme tout passe par l'image, bah, c'est mieux d'avoir une image qui parle que tout plein d'images. Gardez-les pour la prochaine fois. Voilà. Donc, disons maintenant que cette image, elle me convient comme elle est, que je veuille la poster. En haut à droite, allez, j'ai oublié de vous dire, en haut à gauche, vous voyez la petite icône galerie. Vous pouvez cliquer sur cette flèche. Je me suis nouveau fait éjecter. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche d'Instagram en haut, ici. Ah, là, 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 là. Ok, ici. Eh bien, décidément, je crois qu'il ne veut pas que je vous partage ça. Attendez, j'ai peut-être trop de trucs ouverts, je vais tout fermer. Est-ce que ça m'a éjecté? Oui, ça m'a éjecté. Voilà, excusez-moi. C'est la première fois que j'essaye comme ça, mais je me suis dit que c'était le meilleur moyen de vous montrer mon écran en même temps. Donc, hop. Donc, admettons que je veuille poster. Je vais revenir sur ce que j'étais en train de faire. Hop, on va prendre celui-là. Et en haut, dans Galerie, ben non, il ne veut pas que je vous montre comment poster. Super. Bref, en haut dans Galerie, quand vous faites comme si vous voulez poster, vous pouvez choisir pas uniquement la galerie, mais vous pouvez choisir un des albums de votre téléphone. Si vous voulez juste pas fouiller toutes vos photos pendant 3 heures et que vous voulez aller dans un album en particulier. Je vais voir s'il me laisse au moins cliquer sur suivant. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur suivant, vous avez la possibilité d'utiliser des filtres, comme vous le voyez ici. Moi, j'utilise jamais les filtres ici. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et en bas, vous avez la possibilité de cliquer sur modifier. Et là, vous pouvez changer des paramètres de votre photo. Au début, je les utilisais et c'est ce que font, entre guillemets, toutes les personnes qui démarrent sur Instagram. Mais voilà, le mieux, c'est d'utiliser des applications extérieures qui sont autrement plus efficaces, on va dire. Mais voilà, si vous voulez les utiliser, bien sûr, vous pouvez. Hein, il n'y a pas d'obligation, donc filtre ou modifier en bas. Une fois que votre photo elle est prête, vous allez cliquer sur suivant et vous allez arriver ici comme si vous voulez poster. Donc là où il y a écrit « Ajouter une légende », ben, vous tapez votre texte. Vous pouvez ajouter un lieu, donc si votre localisation est allumée, ça va vous proposer des lieux à proximité. Vous pouvez taguer quelqu'un sur une photo, donc vous pouvez toucher la photo et chercher en haut un utilisateur. Donc par exemple, si je veux taguer Patrick, voilà, je vais taper le début de son nom. Encore une fois, si la personne n'a pas son vrai nom et qu'elle a un pseudo bizarre, ça va être super dur de la trouver. Donc il faut connaître son pseudo avant. Voilà, et une fois que vous avez terminé tout ce que vous avez à faire, je vous déconseille de cocher les cases qui sont en dessous, Facebook, Twitter, etc. Pourquoi ? Parce que sinon, en même temps que vous allez poster sur Instagram, ça va poster sur votre autre réseau social. Et il faut savoir que comme chaque réseau social aime bien que vous utilisiez leur plateforme, bah, si vous faites ça et que ça poste sur Facebook en même temps, votre post Facebook que vous aurez posté par le biais d'Instagram va être moins vu. Parce que, en fait, Facebook veut que vous utilisiez Facebook, Instagram veut que vous utilisiez Instagram, etc. Donc voilà, je ressors d'ici. On a vu un petit peu comment poster. Maintenant, le petit cœur ici, c'est les likes et les commentaires. Donc on voit exactement qui vous a liké, qui vous a commenté. Et ce que j'adore sur Instagram, c'est que vous avez vu, il y a deux parties. Il y a la partie nouveau et plutôt. Donc nouveau, c'est ce que vous n'avez pas encore vu. Plutôt, c'est ce que vous avez déjà regardé. Donc, vous pouvez cliquer sur la photo à droite. Ça va vous ramener de nouveau sur votre photo et vous pouvez regarder les personnes qui ont commenté, etc. ou qui ont liké. Donc, prenons par exemple un commentaire ou quelqu'un qui vous a répondu sous un commentaire. Voilà. Les gens qui s'abonnent à vous. Donc, quand il y a écrit « Liv Katia a commencé à vous suivre »,
Et à côté, vous avez la petite case s'abonner si vous voulez vous abonner à cette personne. Voilà, donc ça. Mais moi, de toute façon, avant de m'abonner, je regarde d'abord le profil. Et bien sûr, si c'est, et c'est de la pub, bien entendu, je ne vais pas m'abonner et je vais sûrement le bloquer. Si c'est quelqu'un du même créneau que nous, je vais bloquer automatiquement la personne parce que c'est des personnes qui vont taper dans vos abonnés, enfin, comme sur Facebook. Et sachez que sur Instagram, on ne peut pas cacher ses abonnés et tout. Donc, le meilleur moyen, c'est de pas laisser les personnes qui sont sur Facebook et qui sont des concurrents, accéder à votre Instagram, il faut les bloquer. Voilà. Donc, c'est pour ça, ne vous offusquez pas. Il y a plein de leaders qui vont vous bloquer automatiquement si vous les ajoutez. Moi, j'accepte en général que des personnes de notre équipe ou des gens que je connais. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. En haut, vous voyez, vous avez deux options. Vous avez vous et vous avez abonné. Et ça, pour moi, c'est une mine d'or sur Instagram parce que vous pouvez voir, en fait, ce que vos abonnés aiment. Et ça, c'est une mine d'or parce que ça vous permet de trouver ben, des gens dans votre niche. Par exemple, si une maman, elle aime plein de pages de maman, ben, devinez quoi, si vous allez sur ces pages de maman, vous allez trouver plein d'autres mamans qui sont votre cible. Voilà, ou tout simplement quelqu'un qui est dans le fit comme vous et qui aime des choses fit, eh ben, ils vont vous aller trouver des pages que la personne, elle aime, des publications qu'ils aiment, des personnes qui suivent. Donc ça, ça va vous faciliter les choses pour vous abonner à des nouveaux profils. Vous voyez ce que je veux dire? On voit même les commentaires. Donc, voilà, on voit tout. On voit ce que les personnes commentent, on voit ce que les personnes likent, ce que les personnes ajoutent. Donc, voilà. Bon, pour nous, dans notre domaine, en network marketing, c'est une mine d'or d'informations, ça. Dernier point, donc le petit bonhomme, c'est tout simplement votre profil à vous. Donc là, on arrive sur mon profil à moi. Donc, comme dit, il n'y a plus grand-chose dessus parce que j'ai tout supprimé. Mais vous voyez, il y a 1518 abonnés. Voilà, parce que je recommence un nouveau feed tout beau, tout propre. Alors, on va voir ces points-là tout à l'heure, mais comme vous voyez, il faut avoir une bio qui donne envie, qui soit lisible quand même, même si vous utilisez des belles écritures. Vous voyez, sous profil, il y a écrit Vanessa Karcher, donc les gens savent que mon vrai nom, c'est Vanessa Karcher, d'accord ? En haut, vous avez le nombre de publications que j'ai faites. À côté, les abonnés, donc ça veut dire les personnes qui sont abonnées à moi. Et le nombre d'abonnements. Clairement, mon ratio d'abonnement, il est trop haut. Il faut que je le diminue. Mais je le savais, je sais pas depuis longtemps, donc ça va me prendre du temps. Vous pouvez piner des albums de story. Alors, je sais pas si vous pouvez épingler en fait des albums de story en haut qui restent tout en haut sur votre feed, en fait, sur votre profil. Mais ça, je vous expliquerai à la prochaine formation comment faire. Ça permet d'avoir toujours des choses qui restent là, comme des albums un peu sur Facebook. Mais ça se fait par le biais des stories. Alors, quand on remonte, donc il y a plusieurs manières de regarder son profil. Vous avez quatre menus. Donc, vous voyez, il y a les petits carrés là. Donc, on les voit sous forme de carrés. Et ça, il faut savoir que quand vous le regardez, ça doit être limite parfait. Pourquoi ? Parce que ben, c'est ce que les premières personnes vont regarder quand ils vont cliquer sur votre profil. Ils vont le voir comme ça. C'est pour ça que votre feed, donc le feed, c'est ce qu'on voit en fait sur le profil, ça doit être beau parce que vous avez quelques secondes pour convaincre. Si vous avez une bio pourrie, vous avez des photos pourries, qu'il n'y a pas un feed qui donne envie, des photos de qualité, bam, on ne vous suit pas. Après, vous pouvez le suivre aussi sous forme de fil d'actualité comme vous l'avez vu tout à l'heure en cliquant sur les petits points et les petits traits juste à côté. Voilà, et là, vous pouvez le voir dans l'ordre où vous les avez postés avec les commentaires, etc. Alors, bien entendu, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de commentaires et tout, hein, puisque je viens de le redémarrer. Voilà. À côté, vous avez un petit bonhomme dans un carré. Si vous cliquez dessus, c'est les posts que quelqu'un a fait en vous mentionnant dedans. Donc, bien entendu, je filtre ce dans quoi les gens me taguent. On peut enlever le tag en appuyant le doigt sur la photo s'il faut. Et ici, à droite, le dernier, l'espèce de petit carré triangle, là, celui-là. En fait, vous pouvez sauvegarder des posts. En fait, quand vous trouvez un post qui vous plaît, en haut à droite, vous pouvez le sauvegarder et le mettre soit comme ça, sauvegarder tout seul, soit vous pouvez créer des collections et vous les garder, par exemple, toutes les photos fit que vous aimez bien, toutes les photos de recettes, etc. Enfin, voilà. Donc, comme ça, vous savez comment faire. Donc, je reviens en arrière. Voilà, donc sous les profils, sous le profil, quand vous cliquez sur « Suite », ici, vous pouvez voir ben, vos textes. Donc, vous avez vu, hein, le texte, on ne le voit pas en entier, on voit qu'un morceau. Hein. Donc, comme quoi, votre image, elle fait tout.
Voilà, le texte, il n'y en a pas beaucoup. On voit les personnes qui like et il faut cliquer en fait pour voir les personnes qui commentent. Et comme vous voyez, sous mon nom, il y a le lieu que j'ai identifié. Donc, voilà un peu comment ça marche. Et voilà, donc je vais juste vous montrer comment sauvegarder. Vous voyez sous ma photo à droite, là, si j'appuie une fois, ça me sauvegarde dans la collection. Si je laisse le doigt longtemps, je peux créer un album. Voilà. Je vais l'enlever parce que je ne vais pas m'abonner à ma photo quand même. Et voilà. Donc, vous voyez un petit peu comment fonctionne le menu principal. Je crois que je vous ai tout montré. Donc, ah oui, alors en haut à droite, par exemple, sur le menu, là, en haut à droite de cette photo, il y a trois petits points. Si vous cliquez dessus, vous pouvez signaler, vous pouvez copier le lien pour l'envoyer à quelqu'un et vous pouvez activer les notifications de la publication. Si vous voulez recevoir une notification quand cette personne, elle publie, d'accord ? Si c'est quelqu'un que vous voulez vraiment pas rater. Mais vous allez voir, pareil, les notifications, c'est pas super au point sur Insta, je trouve, comparé à Facebook. Ça vous envoie pas une notice dans le petit icône de notification. Ça vous le met en haut, vous savez, dans votre téléphone où vous voyez les appels entrants et tous les trucs qui sont en cours, les mises à jour, etc. Ça va se mettre là. Donc, c'est un peu dommage. Mais voilà pour l'utilisation principale. Donc, je vais stopper le partage d'écran et je vais vous remontrer mon fichier. Ça va jusque-là? Est-ce que vous avez appris des choses? Maintenant, vous savez utiliser Instagram. Voilà, ça va prendre un peu de pratique, mais vous saurez comment faire. Donc, maintenant, je vais vous repartager le document qu'on avait tout à l'heure. Voilà, alors, les choses très importantes, avant de démarrer votre Instagram, et là, j'ai envie de vous dire, avant même de commencer à poster, c'est votre thème. Quel va être le thème de votre Instagram? Donc, bien évidemment, c'est pas It Works. Oubliez, ça ne marchera pas, hein, parce que si votre thème, c'est It Works, personne ne va vous suivre et vous allez vous faire signaler toutes les 3 secondes chrono parce que c'est pas comme sur Facebook. Tout passe par l'image. Les gens, ils vous suivront pas. Hein. Ils vont pas suivre des gens qui font It Works. Ils en ont déjà marre de la pub. Donc, voilà. Donc, première chose, c'est définir un thème. Donc, vous pouvez avoir 1 à 5 sujets intéressants. Donc, par exemple, moi, c'est la Floride, ma famille, la bouffe, notamment principalement les recettes keto. Le sport et comment j'avance dans ma journée, on va dire, vers mon amincissement, un peu d'inspiration, du lifestyle, voilà, ce genre de choses. Mais ça reste toujours dans les mêmes thèmes. Donc, à vous de choisir des thèmes qui vous plaisent, où vous aurez des choses à partager, où vous aurez des choses à dire. Mais après, n'en faites pas 50 non plus, essayez de vous limiter à max 5 et de tout le temps poster sur ça. Suivez un peu l'actualité, si c'est la mode du make-up et compagnie et que vous aimez le make-up, postez ce que vous achetez, postez-vous en train de vous maquiller, blablabla. Bla, bla. Enfin voilà, mais trouvez des trucs, si vous êtes à fond dans le sport, partagez des trucs sur le sport. Allez voir un peu ce qui est beaucoup sur la page justement recherchée d'Instagram pour que vous voyez ce qui est à la mode. Et j'ai mis devenir un style, mais c'est définir, vous voyez, je termine en français. Définir un style qui vous plaît, en fait, définir un style et des couleurs. Bien sûr que toutes vos photos ne vont pas avoir la même couleur, ce serait compliqué, mais il y a quand même toujours des couleurs dominantes et on peut tricher sur ça avec des filtres, donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais vous devez définir un style. Est-ce que vous voulez un profil qui soit très coloré, très crispy, avec des photos qui ressortent bien, ou est-ce que vous voulez un profil plutôt pastel, un truc tout en noir et blanc? Mais voilà, essayez de définir un thème qui vous plaît, un style qui vous plaît et des couleurs. Une fois que vous avez trouvé, alors pour trouver ça, je vais vous montrer des exemples, mais vous pouvez aussi faire une recherche sur Google et taper Instagram thème, voilà. Et donc là, je vous montre par exemple des petits exemples de thèmes. Donc, vous voyez, la personne à gauche, elle fait beaucoup de ce qu'on appelle des flat layouts. Donc, des flat layouts, c'est de poser plein de trucs sur une table ou sur une surface et de les prendre en photo. Elle, ça a l'air d'être son truc. Voilà, elle aime bien faire ça. Ça reste dans le rose, gris, blanc. Celle de droite, c'est plus dans le pastel. C'est des photos de félins, de nature, voilà, et d'elle. À droite, c'est plus un peu tout, mais du lifestyle noir et blanc. Et l'autre, c'est plus du un peu les tropiques, mais dans le pastel. Tout à droite, on a quelqu'un qui est plus dans le moody, un peu gris comme ça, voilà. Et en bas, c'est vraiment du beige, noir, voilà. Donc, ça vous donne une idée, mais vous voyez, quand vous regardez ces feeds-là, enfin, ces thèmes-là,
c'est homogène. Ça donne envie, c'est joli en fait à regarder. Bah, chez vous, ça doit faire pareil. Sachant que quand quelqu'un arrive sur votre profil, les 9 premières photos qu'il voit, bah, c'est ce qui doit faire, c'est ce qui doit faire la différence. C'est ce qui doit donner envie de vous suivre tout de suite. D'accord ? Donc, à vous de trouver, de chercher un peu sur Google et de taper thème Instagram et trouver des trucs qui vous plaisent et que vous aurez envie de faire. Et bien sûr, des trucs sur quoi vous allez pouvoir poster, hein, parce que les photos, il faudra les faire. Donc, alors ça aussi, soyez authentique, piquez pas les photos des autres. Vous devez faire vos photos à vous, parce qu'en plus, la plupart de ces gens qui sont hyper populaires sur Insta, eh ben, ils ont une marque qui leur est propre, les gens les reconnaissent. Donc, voilà. Essayez d'utiliser vraiment des photos qui sont à vous. Faites les vôtres, prenez du temps. Faites-vous de temps en temps une journée ou une heure où vous faites plein de photos et vous les retouchez. Mais voilà. Donc après, parlons de la bio. Donc la bio, c'est ce que les gens vont voir en premier en arrivant sur votre profil. Donc la bio, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une photo de vous. Ne mettez pas une photo de votre chat ou de votre famille ou de... Mettez une photo de vous. Parce que c'est votre profil et les gens veulent savoir qui y regarde. D'accord ? Alors, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer aussi. Je vais vous montrer tout de suite après ça. Votre nom, le vrai, il doit apparaître ici parce que, comme dit les gens, surtout dans le marketing de réseau, vous allez être connu pour votre nom. D'ailleurs, même sur Facebook, vous devriez avoir votre nom. Les gens vont vous chercher. Donc, il faut qu'ici, il ne faut pas qu'il y ait votre pseudo. Et ça, ça change. Il faut qu'il y ait votre prénom et votre nom. D'accord ? Pour qu'on vous trouve facilement. Ensuite, mettez en fait dans le résumé, c'est un peu un résumé de vous au final, donc mettez ce qu'on va trouver sur votre profil. Qu'est-ce qu'on va trouver, c'est quel thème, qu'est-ce que les gens vont voir de vous. Alors, en fait, dans votre bio, il doit y avoir un résumé de votre thème. Les gens doivent savoir ce qu'ils ils doivent savoir quoi trouver sur votre profil. Donc moi, par exemple, il y a écrit que je suis une maman, que je suis mariée, que bah voilà, je suis une fit girl en progression, on va dire. Que j'adopte le mode keto, que je suis addict aux produits de beauté et que j'aime la plage. Voilà, et que j'habite à Orlando. Vous pouvez rajouter votre lieu. Et ça, c'est un truc vraiment super, Linktree. Donc ça, je vous avez le lien juste ici, https://linktr.ee/. Là, vous l'avez. Mais à un moment, je vous l'ai mis sur le groupe. Et je vais vous montrer en fait à quoi ça sert. Ah oui, ok. Alors, attends, il faut que j'arrête de partager ici pour que vous voyez comment ça fonctionne. Voilà, donc retour sur mon Instagram. Et moi, je vous déconseille dans la bio de mettre le lien vers votre boutique ou de mettre le lien vers votre Facebook parce qu'en général, ça, c'est les gens, ils savent d'emblée que vous voulez vendre. Donc, ça ne marchera pas. Par contre, Linktree, tout le monde ne connaît pas ce que c'est. Mais ce qui est super, c'est que ça montre le truc un peu différemment quand vous cliquez dessus. En fait, donc ça, ça se paramètre. Hein. Il suffit de créer un compte que vous allez relier en fait à votre Instagram. En fait, vous pouvez mettre des mots-clés, genre bois du café et brûle de la graisse. Bon, vous n'avez pas le droit de dire ça en France, mais oui. Qu'est-ce qu'un wrapper? Un 90 jours cheveux challenge. Un challenge 90 jours perte de poids. Ma chaîne YouTube. Ma routine visage. Snapons ensemble, donc ils peuvent m'ajouter sur Snap. Faire de l'argent de la maison, rejoins-moi sur Facebook et application de sport gratuit. Eh bien, devinez quoi ? Regardez, je clique sur un des carrés verts, ouf, directement, ça m'envoie ici, tadam ! Ou si je clique sur rejoins-moi sur Facebook, tadam ! Et voilà, et si je dis let's snap together, hop, direction mon Snapchat. Et voilà, c'est pas magique ça, franchement. Donc, en fait, vous allez juste à aller sur Linktree et créer les liens que vous voulez. Et après, les gens, ben, ils cliquent ou ils cliquent pas et voilà. Donc, mais au moins, c'est caché. C'est pas comme ça, crier, je fais de la pub, voilà. Donc, comment on change les écritures dans la bio ? Ben, justement, ça fait partie des applications qu'il faut que je vous montre. De quoi ? Alors, attendez. Je vous montrerai les applications à la fin, de toute façon. Donc, comme dit, pour faire ce que je viens de vous montrer, donc je vais stopper le partage. Pour faire ce que je viens de vous montrer, il suffit d'aller sur cette adresse que je viens de vous donner. Vous pouvez... Je vais vous la mettre peut-être en commentaire. Je ne sais pas si je peux vous la mettre. Je vais la mettre en commentaire, comme ça, vous l'aurez.
Voilà. Et bien, vous l'avez. Grâce à ce lien, vous pouvez créer un compte que vous reliez à votre Instagram. Et après, ben, vous pouvez l'utiliser. Donc, ne vous inquiétez pas pour les lettres et tout. Les applications, je vous donnerai tout à l'heure. Bien sûr, comme je le disais, pas dites-toi dans la bio. Ne dites pas que vous êtes distributeur. Ne dites pas que vous avez des vrais blablabla. À la limite, vous pouvez mettre networker ou ce genre de choses. Mais voilà, ou mompreneur, ou voilà. Mais évitez de mettre des trucs qui vont dire d'emblée que vous cherchez à vendre quelque chose. Vous pouvez donc animer un peu votre bio avec des textes, des émoticônes et tout. Bien sûr, ça doit rester lisible, mais n'oubliez pas que vous avez quelques secondes pour faire une première impression. Donc, voilà pour la bio. Alors, maintenant, on va parler… Alors, je sais pas comment on dit en français. Donc, désolée, je vais vous le dire comme ça se trouve sur Instagram. Du grid ou du feed layout. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la manière dont vous allez disposer vos photos dans votre fil d'actualité à vous, sur votre profil à vous, Instagram. Donc, il faut que ce soit cohérent et logique. Il faut que ce soit en relation avec le thème ou les thèmes de votre Instagram. Il faut que ce soit beau visuellement et il faut que ce soit personnel. Limite, les gens, vous devenez une marque, quoi. Ils vous suivent pour vous, vous avez votre style à vous. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est ça. En fait, vous voyez, donc là, sur le premier exemple, la personne, elle met toujours des choses qui se ressemblent, les trois photos. Lui, il fait des trucs un peu bizarroïdes, mais ça reste logique, en fait. En bas à gauche, c'est une personne qui a des bords noirs à toutes ses photos. Là, au milieu, ben, elle a toujours des produits de chaque côté, au milieu, une citation. Là, elle alterne citation de couleur, citation unie. Elle, c'est toujours trois mêmes tenues sous différents angles. Voilà, vous voyez, en fait, ça a une suite logique. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça. Vous pouvez le choisir comme vous voulez. Mais essayez, en fait, que voilà, qu'il n'y ait pas genre 4 selfies, puis 4 palmiers, puis 4 trucs debout. Enfin, faut vraiment que ce soit joli et logique. Voilà, il faut que ça prenne un sens. Donc, ça veut aussi dire quand vous faites ça, par contre, qu'il faut faire attention comment vous postez. Et ça, je vais vous montrer tout à l'heure parce qu'au début, qui n'a jamais compris comment les photos, elles s'affichent les unes après les autres. Franchement, on ne comprend pas au début comment, mais laquelle va où, pour ça, mince, ça a changé de place, maintenant c'est plus joli. Au début, c'est un peu bizarre. À qui c'est déjà arrivé? Ça, je pense que je ne suis pas la seule. Je me disais, je ne comprends rien, comment ça sort ces photos. Voilà. Ouais, bah je vous montrerai après comment faire. Donc, la petite chose que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure sur Insta, c'est comment modifier justement votre bio. Donc, c'est bien, on est dans le thème, mais comment modifier votre profil. Donc, je vais vous partager de nouveau mon écran. Quand vous allez sur Instagram, donc, vous voyez ici, il y a écrit « Modifier profil ». Donc, sous « Abonné »,« Abonnement ». Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer deux, trois petites choses par rapport au profil que je ne vous ai pas montré. Donc, ici, vous avez vos publications, d'accord, en premier. Ensuite, « Abonné », 1518, si je clique dessus, je vois la liste de tous mes abonnés. Et à côté, je vois si ce sont abonnés à moi. Attends, voir. Moi, je me suis abonnée à eux, donc si je veux m'abonner ou pas, voilà, voyez. Et à côté, les abonnements, donc c'est ceux à qui je suis abonnée et je vois qui s'est abonné à moi en retour ou pas. D'accord? On peut aussi voir, donc vous voyez en haut, il y a écrit personne, mais si je clique sur mot-clic, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, c'est des hashtags. Si je clique sur le mot-clic, c'est tous les hashtags auxquels je me suis abonnée. Parce que ça, je ne vous ai pas encore montré, mais on peut s'abonner à un hashtag. Et en bas, des hashtags où je me suis abonnée, il y a une suggestion d'hashtag que Instagram pense qu'ils vont me plaire. D'accord? Donc, ça peut vous donner des autres hashtags à suivre. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment suivre un hashtag. Si vous allez de nouveau sur la loupe et que vous tapez, par exemple, allez, on va faire en français, plage, et que je tape hashtag. Et si maintenant, je clique sur hashtag plage, ben voilà, tous les posts des personnes qui ont mis hashtag plage. Donc là, je peux décider de m'abonner. Vous voyez, il y a écrit s'abonner. Je peux m'abonner en dessous. Je peux même cliquer sur le rond à gauche pour voir les stories où toutes les personnes ont mis un hashtag plage parce qu'on peut mettre un hashtag dans une story.
Et là, je vois toutes les personnes qui ont posté avec un hashtag plage. Sachant que votre but à vous, c'est que quand vous mettiez un hashtag, que vous apparaissiez dans les premiers en haut, parce que c'est comme ça que vous allez être vu. Donc, vous voyez en dessous, il y a écrit populaire ou récent. Donc, populaire, bah, c'est les gens qui sont très vus. Et récent, c'est juste les gens qui ont posté récemment. Voilà. Mais souvent, bah, ceux qui ont plus de likes et tout, ils apparaissent plus au-dessus. Donc, votre but, vous, c'est de remonter dans le fil d'actualité. Par contre, Patrick, je suis en train d'enregistrer, donc si tu peux faire moins de bruit, ce serait cool. Et en dessous, vous voyez, en dessous de s'abonner, il y a tous les hashtags en relation avec le hashtag que vous avez cherché. Donc, ça peut vous permettre, en fait, de trouver d'autres hashtags en relation avec votre hashtag. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est top. Je vais juste ressortir de ça et revenir sur le profil, sur mon profil. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur « Modifier le profil ». Et là, vous voyez dans « Nom », normalement, par défaut, il y a votre nom d'utilisateur qui est en dessous. Ben là, moi, je l'ai changé, j'ai mis mon vrai nom. Ben là, j'ai mis le site Linktree, j'ai mis ma bio, mes informations privées en dessous et en bas, bien sûr, que je suis une femme. Et vous pouvez changer votre photo de profil. Voilà. En haut, dans le coin droit, la petite horloge avec la flèche, ce sont vos archives. Donc, moi, j'ai rien d'archivé, mais vous pouvez archiver vos propres posts si vous voulez plus qu'ils soient sur votre fil d'actualité, mais vous voulez les garder pour plus tard. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer. Si vous cliquez sur la fiche en haut, vous pouvez même voir l'archive des stories. Vous pouvez même archiver des stories. Donc, moi, je les ai archivées automatiquement. Pourquoi ? Parce que comme ça, je peux voir qui a commenté et liké si je ne m'en souviens plus. Donc voilà, je reviens en arrière. En haut, le petit plus, le petit bonhomme plus, c'est les suggestions que Instagram me donne en amis. Au milieu, c'est mes amis que j'ai sur Facebook avec qui je ne suis pas encore amie sur Instagram. Parce que comme vous n'allez pas forcément mettre le même contenu sur Insta et sur Facebook. Et à droite, contact, bah, c'est les contacts de votre téléphone. Si vous voulez les trouver sur Instagram. Alors, moi, perso, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a des gens que je n'ai pas envie d'avoir sur Instagram. Mais voilà, si vous voulez chercher et après de nouveau l'enlever, vous pouvez. Parce que ça veut dire que quelqu'un qui a renseigné son téléphone ou son email et que vous avez enregistré dans vos contacts et qu'il est sur Instagram, vous pouvez le trouver. Donc, voilà, plein de moyens pour rechercher en fait des nouvelles personnes. En haut à droite, les trois petits points. Et c'est là où vous allez pouvoir changer tous vos paramètres Instagram. Donc, inviter des amis que vous avez sur Facebook, chercher des contacts dans votre téléphone. Vous pouvez voir toutes les photos de vous, ce que vous avez enregistré, les paramètres de votre story, modifier votre profil, votre mot de passe, les publications que vous avez aimées. Ça, je trouve ça génial. Toutes les publications que vous avez déjà aimées. Donc, si jamais vous voulez retourner dedans. Si vous voulez autoriser les autres à repartager un de vos posts, donc bien sûr, je vous conseille de l'activer. Moi, je vous conseille très fortement d'être en public pour la simple et bonne raison que déjà aujourd'hui, avec le nouvel algorithme, c'est très dur d'être suivi. Vous avez quelques secondes pour faire bonne impression. Si votre compte, il est privé, vous savez ce que les gens vont voir de vous? Les gens vont juste voir la photo de profil et le nombre de publications, d'abonnés, d'abonnements, c'est tout. Peut-être votre bio, ça dépend comment c'est paramétré, mais c'est tout. Donc, franchement, ça fait peu de critères pour décider si on vous suit ou pas. La plupart, ils ne vous suivent pas. Voilà, parce que ça doit vous demander une autorisation pour pouvoir vous suivre. Ensuite, vous pouvez relier vos comptes, donc par exemple, relier Facebook. Vous pouvez changer la langue, vous pouvez changer la manière d'avoir les notifications. Vous pouvez enregistrer toutes les photos que vous mettez sur Instagram avant de les modifier. Moi, je l'ai décoché, sinon ça remplit mon téléphone. Enregistrer les photos publiées non plus, parce que si je les veux, je les récupère. Et enregistrer les vidéos après leur publication, ça, je l'ai mis parce que si jamais je fais une vidéo directement sur Instagram pour les récupérer. Voilà, donc vous avez plein de petits trucs encore, la confidentialité, les règles, machin, blablabla. Donc ça, je vous invite un peu à fouiller. Mais voilà, comme ça, vous savez où trouver votre menu. Donc voilà pour cette partie-là d'Instagram. Je vais vous repartager mon fichier. Vous avez vu, c'est un truc de fou, hein, tout ce qu'il y a sur Instagram. Vous auriez jamais cru, hein. Même moi, j'hallucine. Voilà. Donc, ensuite, l'autre partie très importante d'Instagram, c'est les hashtags. Voilà. Donc, les hashtags, c'est quelque chose qui est très important.
Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir beaucoup de followers et de pouvoir suivre plus facilement les gens. Donc, moi, ce que je vous conseille, et ça, c'est un travail de recherche. Moi, ça m'a pris un peu de temps. Je me suis fait un tableau Excel. Il faut que vous recherchiez des hashtags qui sont cohérents avec votre thème ou la niche de personnes que vous recherchez, la niche de personnes que vous ciblez. Donc, pour ça, il faudra un peu faire des recherches sur Instagram. Je vous montrerai différents moyens de le faire. Vous en avez déjà vu quelques-uns. Et surtout, l'erreur à ne pas faire, et ça, c'est l'erreur que quasiment tout le monde fait. D'ailleurs, si vous voulez bien me dire dans le chat si c'est ce que vous avez fait, on a tous cherché à mettre tous les hashtags les plus populaires. En se disant, voilà, si je suis dans un hashtag super populaire, il y a plein de gens qui vont me voir. Et ben non, raté. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir... En fait, il faut bien répartir vos hashtags entre les très populaires, les moyennement populaires et les pas trop populaires. Parce que clairement, pour réussir à vous voir dans un hashtag hyper populaire devant Kim Kardashian, il y a du travail. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est les hashtags très populaires? C'est ceux qui ont plusieurs millions de posts. Franchement, ça va être dur pour vous d'apparaître. Ceux qui sont moyennement populaires, c'est environ, mais je me comprends, hein, environ 1 million. Et en dessous de moins 500 000, ben là, vous avez plus de chances de remonter dans le Explore ou dans le haut en fait du hashtag. Donc, c'est bien de vous préparer des hashtags à différentes popularités. Donc, par exemple, moi, j'ai créé un tableau Excel en fait où j'ai mis mes thèmes. Et à côté, j'ai fait 3 colonnes, les très populaires, les moyennement populaires et les peu populaires. Et j'ai pris du temps à chercher des hashtags qui correspondent à tout ce que je veux. Donc, des hashtags sur les palmiers, la plage, la Floride, les expats, le lifestyle, le keto, la nourriture. Et j'ai essayé de trouver des hashtags très populaires, moyennement populaires, peu populaires. Et je les ai mis dans un tableau Excel. Ensuite, qu'est-ce qui va être… Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Instagram, avec son nouvel algorithme, si vous utilisez les mêmes hashtags à chaque publication, vous allez être mis dans l'ombre automatiquement. Si vous utilisez, alors ça vient très récemment de changer, donc attention, si vous voyez quelqu'un faire autrement, c'est juste qu'il n'est pas encore au courant de le nouvel algorithme. Avant, bah, je peux vous le montrer d'ailleurs sur Insta, tout le monde faisait ça. Alors attendez, je vais juste sortir du partage. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Avant, tout le monde mettait tous les hashtags dans les commentaires et rien dans la publication parce que ça faisait moche d'avoir sa phrase et tous les hashtags en dessous. Ben aujourd'hui, ça ne marche plus. Si vous les mettez dans les commentaires, vous apparaissez plus dans le hashtag et en plus, vous êtes mis à l'ombre. Et avant, on avait le droit de mettre, d'ailleurs, on peut toujours techniquement en mettre 30, mais pareil, si vous en mettez 30, ben, ils vont penser que vous spammez, donc vous serez moins vu et vous serez mis à l'ombre. Donc, maintenant, la recommandation, ce n'est pas plus de 5 hashtags. Voilà. Et ce que je trouve aussi normal, on va dire, parce que sinon, voilà quoi. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de préparer vos hashtags, soit dans vos notes de vos téléphones, soit dans des applications que je vais vous montrer tout à l'heure, de vous préparer des séries. Par exemple, moi, j'ai palmier 1, palmier 2, palmier 3 et j'ai 5 hashtags différents. J'ai plage 1, 2, 3, j'ai lifestyle 1, 2, 3, j'ai famille 1, 2, 3. En fait, je m'en suis fait 3 et dans ma série, j'ai par exemple 2 hashtags très populaires, 2 hashtags, 1 hashtag moyennement populaire et 2 hashtags peu populaires. Et je me suis fait plusieurs séries parce que maintenant, Instagram, si vous utilisez les mêmes hashtags dans vos posts plusieurs fois d'affilée, pareil, vous êtes mis à l'ombre. Donc, il faut varier vos hashtags, mais vous n'allez pas à chaque fois perdre du temps à chercher les hashtags. Si vous en avez déjà qui sont pris dans votre téléphone, ça va aller vite. D'accord? Donc, ça vous permet de faire un roulement juste en copiant en collant, en fait. Voilà. Donc, après aussi, ce qui est bien avec les hashtags, alors déjà, la priorité aussi qui est très importante pour Instagram si vous ne voulez pas être mis à l'ombre de nouveau, il faut que vos hashtags soient cohérents avec votre photo. Ne mettez pas un café et mettez hashtag selfie. Voilà, c'est hashtag café, hashtag bulletproof coffee, hashtag keto coffee. Voilà, mais ça doit être en rapport avec l'image. Parce que sinon, vous allez apparaître dans un fil de hashtag, un truc qui n'a rien à voir avec le hashtag et les gens, du coup, ils vont vous signaler ou ils ne vont pas vous suivre. Donc, faites un truc cohérent avec votre photo. Ensuite, ce qui va être génial avec les hashtags, c'est qu'après, grâce à certaines apps, vous avez des statistiques qui vous permettent de voir les hashtags qui marchent le mieux pour vous. Vous allez carrément avoir chaque hashtag, combien ça vous rapporte de likes et de personnes qui commentent. Donc, vous, ça va vous permettre de voir les hashtags qui sont
bien pour vous, donc vous pourrez vous les noter et les garder pour plus tard ou modifier un peu vos hashtags. Donc, vous les mettez obligatoirement dans le post jusqu'à 5 maximum. Et vous pouvez suivre vos favoris. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous abonnez à vos hashtags favoris pour trouver de l'inspiration. Et moi, ce que je fais maintenant, quand je vais dans un hashtag, par exemple, hashtag keto, eh ben, je vais cliquer sur les 9 premières photos et je vais regarder en fait qu'est-ce que les gens y mettent comme hashtag dans leurs commentaires, qu'est-ce qu'ils mettent comme type de photo, etc. Et ça va m'inspirer à faire les miennes. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement de mon téléphone comment les différentes manières de trouver des hashtags. Et comment les enregistrer, ça je vous montrerai tout à l'heure. Donc, bougez pas, partage d'écran, hop, Instagram. Et je vais aller directement. Donc, il y a plusieurs manières. La première, c'est tout simplement sur Explore, donc la loupe. Et là-haut, il vous suffit de taper, ben, je ne sais pas moi, bébé, voilà. Et de taper sur hashtag, hashtag bébé. Donc, vous voyez le premier, 9 millions. Donc, autant dire que lui, il est très populaire. Et après, vous pouvez descendre et voir, bah, si vous descendez, ça va être de moins en moins populaire, mais vous allez trouver des idées. Alors, des fois, ça va être dans d'autres langues, mais vous pouvez trouver des autres hashtags qui, bah, voilà, pour trouver vos hashtags un peu moins populaires, plus populaires, etc. Maintenant, si je reviens en arrière, on peut trouver aussi des hashtags. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si je vais dans keto, je vais aller sur le hashtag keto, je clique sur le hashtag keto. Je vais regarder les personnes populaires. Hop, je vais cliquer sur la première image et je vais regarder si la personne, elle a mis des hashtags. Ouais, dîner, what I eat, keto, keto life, ketogenic lifestyle. Voilà, ça va me donner des idées. Des idées de hashtags. Et je vais regarder en dessous le prochain. Hop, qu'est-ce que lui, il a mis? Et vous voyez, bizarrement, ceux qui sont tout en haut, ils n'ont pas beaucoup d'hashtags et c'est dans le texte, c'est pas en commentaire. Voilà, donc ça, ça va me permettre de trouver d'autres hashtags, peut-être aussi des personnes à suivre. Et voilà. Alors, petite chose aussi, si jamais, parce que bien entendu, quand vous allez liker, vous abonner à un hashtag, il se peut que ça inonde votre fil d'actualité et que vous ne voyez que ça. Oui, je vais remettre la liste tout de suite après, Alexia, t'inquiète pas. Et bien, si jamais vous recevez trop de publications de ce hashtag, en haut à droite, vous pouvez mettre ne pas afficher pour ce hashtag. D'accord ? Donc, vous ne recevrez plus les notifications ou les posts pour ce hashtag. Vous pourrez aller les voir vous-même, vous serez toujours abonné, mais vous ne les recevrez plus dans votre fil d'actualité parce que bah, des fois, on voit que ça, quoi. Donc, voilà, juste à savoir, ça peut être bon. Ensuite, l'autre manière de trouver des hashtags, c'est tout simplement quand vous allez poster. Bon, on va faire comme si j'allais poster en espérant que cette fois-ci, il veut me laisser faire. Suivant. Comme si j'allais poster. Et là, si je tape hashtag, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire girafe. Voilà, là, ça va mettre tous les hashtags qui démarrent par girafe. Ben, il n'y en a pas beaucoup, je n'ai pas pris le bon exemple. Alors, je vais prendre lipstick, rouge à lèvres. Ça va bien marcher, je le sens. Voilà. Vous ben, voyez là, lipstick, j'ai les hashtags qui sont les plus populaires. Donc ça va me donner aussi des idées d'hashtags. Voilà. Je peux aller aussi sur le profil des gens qui m'inspirent, regarder ce qu'ils mettent en hashtag dans leur post. Et je peux cliquer sur abonner, comme je vous disais tout à l'heure. Abonnement. Et je peux voir en haut ce qu'ils appellent mot-clic, mais c'est hashtag en fait. Voilà, là je peux voir en bas des idées d'hashtag auxquelles je ne suis pas encore abonnée. Donc pareil, je peux aller voir un petit peu les idées. Et alors attendez, ici si je vais dans like, en bas dans le petit cœur, comme je vous disais tout à l'heure, si vous allez dans... C'est chiant. Alors, je retourne dessus. Si vous allez dans le cœur et vous cliquez sur OK, il ne veut pas. Il essaie de me faire des misères. Bon, OK, il ne veut pas. Donc, quand vous allez sur abonner, si vous cliquez sur le cœur et qu'en haut, vous cliquez sur abonner, vous souvenez, on voit ce que les gens likent. On voit ce que les gens likent, on voit ce que les gens suivent. Donc, ça peut vous permettre de trouver des autres hashtags par là. Et
un dernier moyen qui est vraiment, vraiment pas mal. Alors, il faut juste que je retourne dessus, ne bougez pas. Hop. Si vous allez sur de nouveau explorer en bas là, et que vous cliquez en haut et vous tapez beach, et je clique sur hashtag. Et si je clique de nouveau sur un hashtag, et ben là, en bas, vous voyez en dessous, il y a écrit Connex, Sand, Sun, Summer, Ocean, Sea. En fait, ça va vous donner d'autres hashtags en relation avec celui que vous allez chercher. Donc voilà toutes les manières de trouver des hashtags. Donc, vous avez vu, il y a de quoi faire. Donc, si vous fouillez un peu de ces différentes manières, vous allez trouver vos hashtags pour vous. Bien sûr, allez pas faire tout le temps les mêmes que vos copains distributeurs. Si ça se trouve, vous n'avez même pas le même thème. Et en plus, franchement, ça ne sert à rien parce que bah, vous allez tous vous retrouver sur les mêmes hashtags. Donc, et c'est pour ça que votre thème, de toute façon, ce n'est pas It Works. Donc, voilà. Donc, je stoppe le partage. Je vais revenir sur la liste. Hop. Donc, vous avez vu, ça en fait des choses pour les hashtags. Mais les hashtags, c'est primordial si vous voulez être suivi. C'est primordial. Vous ne pouvez pas ne pas mettre d'hashtag. Donc, ensuite, comment est-ce qu'on va poster sur Instagram? Qu'est-ce qu'on va utiliser pour poster, etc. Donc, la première chose, c'est qu'il faut préparer vos posts sur Instagram. Parce que d'une, vous allez modifier les photos pour qu'elles soient de bonne qualité et pour qu'elles soient dans le thème de votre couleur. Donc, ça prend du temps. Et pourquoi vous allez les préparer? Parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand vous postez, vos images, elles bougent. Et quand elles bougent, elles ne sont plus forcément aussi jolies que comme vous le vouliez. Ou vous vous disiez, ah, ces deux, elles vont bien aller ensemble. Mais tout d'un coup, vous ajoutez une photo, ça bouge tout et vous dites, mince, maintenant, ça fait plus joli. Donc, en fait, il y a des applications où on peut préparer les posts et on peut les changer, les bouger de place avant qu'ils soient postés sur Instagram, pour avoir un visuel de ce que ça va donner. Donc, moi, je vous conseille d'en préparer toujours 9 à l'avance parce que comme ça, vous avez un visuel sur 9, comment ça rend. Et moi, je vous conseille d'en faire toujours 9 par 9. Voilà, vous les préparez. Ça ne veut pas dire que vous les postez tout de suite, mais vous les préparez. Préparez un petit peu vos textes avec. Donc, dans les applications que je vous montrais tout à l'heure, on peut préparer ces images et ces textes. On peut, vous pouvez vérifier aussi vos heures d'audience grâce à des apps. Donc, postez à vos heures où vous avez beaucoup d'audience. Pareil, je vous montre après avec quelles applications. Soyez régulier. Si vous postez une fois par semaine, vous ne serez pas suivi parce que les gens vont vous oublier. Donc, s'ils ne likent plus, ils ne commentent plus, vous n'êtes plus montré. Et donc, voilà, donc vous n'êtes plus suivi. Postez quand vous êtes sûr de pouvoir interagir dans l'heure. Et ça, c'est vraiment très, très important. Il faut savoir qu'Instagram vous donne un maximum de visibilité au moment où vous postez pendant les 60 minutes qui suivent votre post. D'accord? Donc, si vous êtes tout de suite là pour tout de suite liker et commenter quand les personnes vous répondent, parce que ça, je ne vous ai pas montré, mais au bout d'un commentaire, il y a un petit cœur, vous pouvez liker le commentaire, comme sur Facebook. Si vous êtes tout de suite là pour liker et commenter, en fait, votre post, il reste en haut. Et donc, plus longtemps votre post, il reste en haut, plus ils vont se dire « Ah, elle a de l'interaction », on va lui donner plus de visibilité. D'accord? Après, en fonction de votre layout, donc la manière dont vous voulez disposer vos photos, moi, je vous conseille de poster, alors en fonction de comment vous les disposez, il y en a pour qui ça n'aura pas d'importance, mais il y en a pour qui ça en aura. Essayez d'en faire, dans ce cas-là, 3 par jour. Parce que 3, ça fait une ligne sur Instagram et ça vous évite d'avoir toutes vos photos en décalé et que pendant plus d'une journée, ça n'est pas de sens en fait. Donc, moi, en fait, mon objectif, c'est d'en faire 3 par jour. J'y arrive pas forcément encore tout le temps, mais c'est mon objectif de faire 3 posts par jour. Ou alors, si ça gêne pas trop la manière dont j'ai disposé mes photos, ça va, mais sinon, je les mets par 3. Alors, si vous devez faire un choix, vous avez vu, pendant très longtemps, on devait couper nos photos en carré sur Instagram. Alors, bien sûr, vous avez vu que sur... les 9, en fait, ça apparaît en carré, mais dans le fil d'actualité que les gens regardent, elle peut être un peu plus grande, la photo. Alors, moi, je vous conseille de privilégier des photos en portrait plutôt qu'en comment on appelle ça? Comment on dit landscape, Patrick, en français? Paysage. En paysage, parce que si c'est en paysage, en fait, votre photo, elle est plus petite. Donc, les gens, ils arrivent moins à voir ce que c'est. C'est mieux en portrait ou en carré, d'accord? Et toujours poster des choses positives et inspirantes. Donc, voilà un petit peu pour les posts.
Ensuite, comment booster l'engagement? Alors ça, c'est ce qui va être limite le plus important une fois que vous avez tout paramétré, que vous savez comment vous voulez faire votre Instagram. Il va falloir booster l'engagement pour que vous ayez plus d'abonnés et que vous ayez des gens qui vous suivent et que Instagram se dise, voilà, cette personne, elle est intéressante, on va la montrer plus. Donc déjà, suivez tous les points que je viens de vous donner pour être suivi, tout ce que je viens de vous dire, sans exception. Likez et répondez à tous les commentaires, sans exception. Même si c'est juste merci, même si c'est sympa, petit cœur, ou même si c'est un smiley, mais vous devez répondre aux commentaires, absolument. Donc, aux commentaires aux gens, des personnes qui viennent, aux commentaires des gens qui viennent commenter chez vous. Likez et commentez en retour. Donc, si vous, vous allez commenter sur les posts des autres, il doit y avoir plus que 4 mots. Parce qu'en fait, il existe des applications qui automatisent les réponses. Et c'est juste des « Oh, amazing !»« Oh, super !»« Oh, belle photo !»« Super paysage !» Et donc, en fait, c'est tellement des trucs que tout le monde utilise qu'Instagram, il trouve que ça, c'est trop facile comme commentaire. C'est pas authentique. Du coup, ça marche plus. Donc, tous les commentaires qui sont super, magnifiques, trop bien, juste un smiley, ça marche pas. Ça compte pas comme pour remonter le post. Il faut 4 mots minimum. Donc, magnifique photo, j'adore les couleurs, ou oh, très jolie, ou t'as acheté ta robe, ou voilà. Mais mettez quelque chose qui a du sens, sinon mettez rien parce que ça va servir à rien. Soyez amical et authentique. Comme sur Facebook, comme je vous l'ai déjà appris, vous devez créer des relations, vous devez être social et sociable. Utilisez toutes les fonctionnalités d'Instagram. Si vous utilisez les stories, les messages privés, les posts, les lives et tous les petits trucs qu'on peut faire autour, Instagram va se dire « Elle adore notre application, je la mets en avant. » Si vous faites que poster, vous faites rien d'autre, vous ne serez pas mis en avant. Suivez les profils qui vous plaisent et qui sont dans votre niche, donc pour que vous ayez envie de liker et de commenter, parce que si c'est des gens qui vous ennuient, vous n'allez pas liker et commenter. Essayez aussi de suivre des personnes qui font… Alors, peut-être pas qui sont… distributeurs et tours comme vous s'ils ne vous laissent pas les suivre, mais peut-être des gens qui travaillent aussi de la maison, des gens qui ont des beaux profils, qui sont inspirants, des influenceurs, pour que vous puissiez vous inspirer. Supprimez les followers non actifs. Donc, si vous avez des gens qui sont là, mais qui likent jamais, qui commentent jamais, quand vous faites le tri, ben, supprimez-les. Alors, il y a un truc que je n'ai pas encore testé, mais il paraît que c'est super, c'est les Friday Introduction. Donc, c'est un hashtag. Avec ce hashtag, vous pouvez trouver des gens. Et tous les vendredis, en fait, c'est tout plein de gens en fait, qui veulent se présenter les uns aux autres, qui veulent en fait trouver des nouveaux profils intéressants. Et donc, ils utilisent ce hashtag. Voilà. Donc, on peut vous trouver aussi si le vendredi, vous mettez ce hashtag-là et les gens peuvent trouver votre profil. Faites des posts où vous appelez à l'action. Ça veut dire quoi, par exemple, ou même dans votre story, dire faire une capture d'écran de votre profil en gribouillant le dernier post que vous avez fait et dans votre story en disant « Je viens de faire un nouveau post, dites-moi si vous aimez la photo » ou voilà. Ou je sais pas, par exemple, « Like ma photo si toi aussi tu as déjà eu ce problème » ou peu importe un truc mais qui appelle les gens à liker et commenter, d'accord. Ou dans les stories, vous verrez, bon, on le verra la semaine prochaine, mais on peut faire des sondages. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qu'on peut faire, mais vous devez inciter les gens à répondre. Par exemple, l'autre fois, j'ai mis une photo de palmier, j'ai mis « je suis complètement accro au palmier, suis-je la seule ?» Et puis, du coup, j'ai des gens qui ont commenté « Non, moi aussi, voilà. » Commentez les 9 premiers posts des hashtags que vous utilisez. Alors ça, c'est très, très puissant pour faire monter votre engagement. Admettons que vous mettiez un post avec… attendez, je vais vous montrer, ça va plus vous parler. Hop, on va aller sur mon Instagram de nouveau. Vous aurez tout vu de mon Instagram aujourd'hui, hein. Hop, admettons que sur mon dernier post, j'ai le hashtag Monday, d'accord. Donc, par exemple, là, je viens de poster ce post il y a 2 minutes. Tout de suite après avoir posté, je vais cliquer sur mes propres hashtags. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur les 9 premiers posts et je vais liker et commenter. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là, en général, ils savent comment marche Instagram et ils aiment bien aller voir c'est qui like et qui commente. Pas tout le monde ou peut-être des fois pas eux-mêmes, mais peut-être quelqu'un qui va lire mon commentaire va aller voir qui je suis.
et ben peut-être s'abonner à moi parce que j'ai liké et commenté. Du coup, ils vont voir mon dernier post. Mon dernier post va être en relation avec ce hashtag et du coup, ils vont se dire « Ah, ben, c'est intéressant, on aime les mêmes hashtags, je vais la suivre. » Vous voyez, donc par exemple, ben, je vais aller sur ce post-là et je vais liker, je vais commenter. Et comme ça, ben, tous les gens qui ont mis le hashtag Monday, j'ai peut-être la chance que certains vont aller voir mon profil. Donc, voilà. Ensuite, donc ça, c'est un moyen aussi de booster en fait vos posts quand vous venez juste de les poster. OK ? Alors, j'en étais où ? Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce qu'on appelle « get featured ». Donc, ça veut dire que si vous faites vraiment des belles photos de qualité et que vous taguez, par exemple, moi, j'habite en Floride et que je tague Floride ou que je tague Orlando, il se peut que demain, une page Orlando reposte ma photo en me taguant et en disant « magnifique photo de Vanessa Karcher ». Et alors là, c'est de la bombe atomique parce que si vous avez quelqu'un qui est très suivi qui fait ça, vous avez plein de followers qui arrivent tout de suite derrière. Ça peut carrément vous changer votre compte du jour au lendemain. Donc, sachez-le, ça peut arriver. Mais pour ça, il faut que vous fassiez des belles photos et que vous utilisiez les bons hashtags. Vous pouvez aussi faire de la collaboration avec des blogueuses ou des gens, des influenceurs d'Instagram. Par exemple, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui teste beaucoup de produits cosmétiques, vous pouvez très bien lui dire ben, « je t'envoie un defining gel, est-ce que tu veux bien l'essayer, faire un post dessus ?» Et en fait, si la personne elle est d'accord, il faut savoir que c'est des personnes qui sont très demandées, mais si vous avez fait un travail de relation avant de liker, commenter, d'échanger avec la personne sans tout de suite lui demander de collaborer avec elle, et bien, si cette personne, elle vous dit oui, que vous lui offrez un produit et qu'elle vous fait une pub sur son Instagram en vous identifiant, bam, vous allez avoir plein de personnes qui vont venir vous suivre et qui vont même vous demander des photos, enfin des produits ou des infos sur vos produits parce que la personne qu'ils aiment bien suivre, elle a dit que c'était génial. Voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et commenter et suivre des boutiques proches de chez vous ou des lieux proches de chez vous parce que, prenons un exemple, très bête, donc hop, je ressors. Si je vais sur mon Instagram et que je choisis par exemple, moi j'adore Starbucks, je sais pas vous, mais voilà, disons que je veux aller voir Starbucks et je veux voir un lieu. Donc Starbucks le plus proche de chez moi, c'est celui-là. Voilà, et ben devinez quoi, tous les gens qui ont tagué le Starbucks à côté de chez moi, je vois leur poste. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller voir qui c'est cette personne, dire hop, est-ce qu'elle a un profil qui m'intéresse? Ah ben, je la suis déjà. Mais sinon, je peux la suivre et je sais que c'est quelqu'un qui est proche de chez moi et qu'on a des points en commun. Voilà, là, je peux aller voir cette personne. Je vois qu'elle est jeune, peut-être elle a besoin d'un travail ou quoi. Je me dis, bon, bah, ça peut être quelqu'un que j'aurais envie de suivre. Elle aime la plage comme moi. Voilà, c'est peut-être quelqu'un que j'ai envie de suivre. Enfin, je vais la suivre d'ailleurs. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu des idées aussi pour suivre des nouvelles personnes. Parce que ce que vous voulez, c'est suivre des personnes qui vous intéressent vraiment, des profils qui vous intéressent, pas des choses où vous n'aurez rien à échanger avec ces gens. Parce qu'après, pour les avoir en client, ou en distributeur si vous n'avez rien à leur raconter, c'est chaud. Donc voilà, je reviens sur mon fichier. Venons-en aux choses à ne surtout pas faire. Ne faites pas follow and follow, donc ne vous abonnez pas et désabonnez pas massivement parce que ça va direct, comme je le disais au début, vous mettre en prison Instagram. N'achetez pas de followers, de likes et compagnie. Oui, oui, ça existe. On peut acheter des abonnés, on peut acheter des abonnements et on peut, on peut acheter des likes, mais c'est des likes et des followers fake. Donc, ça veut dire que ça va faire grimper votre nombre, mais c'est des gens avec qui vous n'allez pas pouvoir interagir et à qui vous ne vendrez de toute façon pas. Et en plus, les gens qui s'y connaissent sur Instagram, ça se voit. Alors, comment vous pouvez voir, parce que des fois, il y en a qui se la pètent, qui disent « Ah, j'ai 6000 followers, nanana. » Et quand tu regardes sous leur post, il y a 3 likes et 1 commentaire. Alors là, je peux déjà vous dire que c'est un compte qui a acheté des followers. Parce que si tu as vraiment 6000 followers qui te suivent pour toi, tu as plus qu'un commentaire, 3 commentaires et 2 likes. Hein. Voilà. Donc, quand vous voyez ça, vous savez déjà que ce n'est pas des vrais comptes. Ils ont acheté
les followers, tout simplement. Ce qui est nul et ce qui ne marche pas avec Instagram, parce que vous serez moins vus. Donc, ça fait juste joli, mais voilà. N'utilisez pas les hashtags follow for follow, insta like, machin, ou like for like, ça veut dire je te like, tu me like. Parce que c'est des gens qui vont juste vous suivre pour que vous les suiviez et après ils ne vont plus vous suivre ou qui vont liker et qui ne vont plus liker après. Donc ça ne sert à rien. Ce que vous voulez, à la limite, c'est mieux d'avoir moins de gens qui vous suivent, mais des vrais gens avec qui vous allez pouvoir reconstruire des relations et avec qui vous pourrez avoir des potentiels clients et distributeurs, que des gens qui sont juste là pour liker et commenter, juste pour avoir un max de followers. Alors pourquoi les gens font ça? Parce qu'à partir de 10 000 followers, on a un compte professionnel, on a des paramètres qu'on n'a pas quand on a un compte normal. Genre, on peut slider sa story et il y a son lien vers sa boutique, ou il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire en dessous de 10 000 followers. Et bien sûr, on peut gagner de l'argent sur Instagram aussi. Donc, il y a des gens qui veulent absolument ça, mais s'ils le font de la mauvaise manière, ça ne marche pas. Évitez les profils pub et spam et compagnie. Je vais vous montrer après quel genre de profil, parce que pareil, ça ne marche pas, vous ne serez pas suivi. Ne rééditez pas vos posts dans les 24 premières heures. Ça veut dire quoi? Vous vous êtes trompé. Par exemple, vous avez vu là, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans mon dernier post, j'ai mis deux fois le même hashtag. J'ai été sûrement fatiguée. Eh bien, je ne peux pas rééditer mon post, je vais vous dire pourquoi. Si je le modifie dans les 24 premières heures, pareil, je vais être mis à l'ombre. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui éditent leur post et quand ils voient que mince, j'aurais dû mettre un autre hashtag pour que ça marche mieux et qu'ils retournent modifier leur post, eh bien, Instagram le voit et du coup, ben, vous êtes mis à l'ombre, donc c'est fichu. Donc, tant pis, vaut mieux le supprimer dans ce cas ou vaut mieux le rééditer un autre jour, mais ne rééditez pas votre post dans les 24 heures. Alors, il y a eu une tendance à un moment donné sur Instagram où il y a des gens qui faisaient des groupes en message privé pour s'auto-liker et commenter. Donc, c'était juste pour faire modifier l'algorithme Instagram. Pareil, ça ne marche plus parce que Instagram le remarque. Quand c'est tout le temps le même groupe de personnes et ils ont accès aux messages privés, donc je ne sais pas comment, mais ils arrivent à le remarquer. Ça ne marche plus. Ne vous abonnez pas à tout le monde qui vous suit. Il faut qu'il y ait un ratio normal entre vos abonnés et vos abonnements. Souvent, les personnes à qui vous êtes abonnés, vous, doivent être beaucoup plus faibles que les personnes qui vous suivent. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas vous suivre s'ils se disent « Mais elle suit 10 000 personnes, elle ne pourra jamais me commenter, elle ne va jamais me voir. » Il vaut mieux avoir un nombre de personnes qui est plus faible que vous suivez, parce que c'est beaucoup plus faisable déjà de suivre moins de personnes. Que voilà. Donc, de temps en temps, faites le tri, virez les gens qui ne vous intéressent pas et voilà. Ne postez pas par des applications automatisées, donc par exemple Buffer ou ce genre d'applications qui vous permettent de poster pour vous sur Instagram. Si vous le faites, vous allez être mis à l'ombre parce que Instagram veut que vous postiez de manière authentique, donc via Instagram. Voilà, ne postez pas d'Instagram à Facebook comme je vous ai montré tout à l'heure et ne faites pas de repost. Ne faites pas genre je supprime mon post et 5 minutes après vous le repostez. Pareil, Instagram le voit, vous êtes mis à l'ombre. Donc voilà, si votre post n'est pas parfait, il n'est pas parfait, c'est pas grave. Au pire, vous le supprimez, mais vous ne le repostez pas tout de suite derrière. Vous le reposterez dans un mois quand il est passé à l'oubliette. Dernière chose qui marche bien aussi, c'est les jeux concours. Donc, choisir quoi offrir. Par exemple, faire un jeu concours pour faire gagner un wrap. Donc, en échange, vous pouvez taper un giveaway. Je vais vous le mettre dans le chat. Giveaway ou même sur Google. Hein, vous tapez tout simplement jeu concours Instagram. Et il y a plein d'idées de jeux concours Instagram. Donc, le but, en fait, c'est de demander… Voilà, je ferai un tirage au sort pour faire gagner un wrap. Pour ça, il faut aimer mon post, il faut me suivre, par exemple, ou il faut reposter mon post et me taguer, ou il faut taguer un ami en commentaire. Enfin, peu importe. Bon, ne demandez pas tout en même temps, ça fait trop. Mais vous pouvez demander, par exemple, il faut aimer me suivre et taguer un ami, ou voilà, pour rentrer dans le tirage au sort. L'idéal, c'est de créer un hashtag qui va avec votre jeu concours, par exemple Defining Gel 12 ou j'en sais rien, peu importe. Parce que pour retrouver toutes les personnes après, ça va être plus simple, surtout si les personnes repostent avec votre hashtag. D'accord? Parce que si les personnes y repostent, vous n'allez jamais tous les retrouver. Avec un hashtag, c'est facile de les retrouver parce que vous avez juste à chercher votre hashtag et voilà. Vous pouvez utiliser l'application Random Name Picker pour sélectionner un gagnant sans tricher. Donc, en fait, vous pouvez tout simplement après copier toute la liste des personnes qui ont participé.
les mettre dans cette application et ça va tirer quelqu'un au sort, au pif, au hasard. Donc, voilà. Bien sûr, après, vous allez annoncer le gagnant sur Instagram. Vous pouvez le faire par le biais de la story, par exemple, et identifier la personne dans votre story. Et vous pouvez remercier les participants sous votre post. Voilà. Alors, l'idéal, c'est de le faire régulièrement. Pas trop non plus, pas genre toutes les semaines, mais vous pouvez très bien faire tous les lundis, les premiers lundis du mois. Ou voilà, vous pouvez faire des trucs comme ça parce que ça va vous apporter des nouvelles personnes. Le but, c'est que vous soyez suivi un maximum et que les gens vous recommandent et vous fassent de la pub. Voilà, donc le dernier point qu'on va voir pour cette formation, c'est les applications. Donc, les applications, je ne vais pas vous faire une formation des applications, ce serait trop long. Mais je vais juste vous donner les trucs principaux que j'utilise et comment je les utilise. Après, il faudra que vous fassiez un peu vos recherches sur Google. Et quand j'aurai le temps, je vous ferai un petit tuto en fait de ce que j'utilise le plus dans chaque application. Mais très rapidement, donc j'utilise… alors, je vais vous montrer comment il s'appelle celui-là de nouveau. Ah bah oui, parce que je suis bête, je n'ai pas mis les noms. Je vais vous le montrer sur mon Instagram. Alors, attendez, sur mon portable. Alors, le premier, c'est When to Post. Donc, je vais vous le montrer. Je vais vous l'écrire, When to Post. Donc, When to Post, c'est une application qui vous permet de savoir à quelle heure poster. Et ça, en fait, c'est lié à votre Instagram. Donc, ça étudie vos likes, vos commentaires et votre audience à quelle heure elle est connectée. Donc, ça vous permet en fait de vous dire à quelle heure vous devez poster et c'est super parce que ça vous donne 3 posts par jour. Unfollow, du coup, je l'utilise plus trop parce que je ne sais pas si maintenant on peut encore s'abonner et se désabonner par le biais d'une application. Mais parce que je ne sais pas si Instagram le laisse encore passer ou pas. Donc, pour l'instant, je ne l'utilise plus, mais c'est une application que j'ai dans mon téléphone et que j'aimais bien avant pour me désabonner des personnes qui ne me suivent pas. Après, j'ai 2 applications que j'aime bien pour planifier mes posts. Celle-là, par contre, je vais vous en montrer. Je vais vous montrer comment je les utilise. Sachant que certains sont payants. Ce n'est pas très cher, mais d'autres sont pas payants. Donc, ça dépend aussi si vous avez Android ou iPhone. Donc, l'application que je vous disais tout à l'heure, Random Name Picker, je vais vous mettre le nom en bas. Random Name Picker, c'est le petit bonhomme que vous voyez en haut à droite. C'est pour choisir un nom quand vous faites un jeu concours. En bas à gauche, le premier avec les petits carrés, c'est Preview. Et le deuxième, bah, c'est écrit dessus, c'est Unum. Vous savez quoi, je vais le mettre carrément dessus, comme ça, vous pourrez le noter en même temps. J'ai oublié de le faire. Voilà, alors, ici, c'est When to Post. When to Post. Voilà. Ça. Alors, peut-être que si vous avez un Android, ce ne sera peut-être pas le même. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours trouver des trucs qui ressemblent. Ou vous tapez sur Google When to Post pour iPhone et voilà, vous trouvez. Ça, c'est Cleaner. C'est pas Cleanser. Hein. Ça, c'est Cleaner. Et ça, c'est Preview et Unum. Preview. Et Unum. Alors, toutes ces applications qui sont en bas à droite, c'est des applications que j'utilise. Alors, je ne les utilise pas toutes, mais en partie pour éditer mes photos. Donc, pour mettre des filtres, améliorer la qualité de la photo, etc. Donc, ça, c'est Facetune. Facetune, je l'utilise pour les selfies. Si vraiment j'ai des choses à modifier, à améliorer la qualité, mettre un peu plus en avant les yeux ou effacer un bouton sur mon visage ou ce genre de choses. Voilà, ou mettre plus de luminosité, masquer un peu le fond autour de vous. Vous pouvez faire plein de trucs super sympas. Alors, franchement, abusez pas trop parce que ça se voit quand c'est abusé. Franchement, parce qu'il y en a carrément, ils se déforment limite le visage avec. Moi, je ne le fais pas. Moi, je corrige juste la luminosité et tout, etc. Snapseed, c'est une de mes applications préférées pour les filtres parce qu'on peut retoucher que des parties de l'image. On peut améliorer la luminosité que d'une partie de l'image, etc. C'est trop bien. Voilà. Après, vous avez Color Splash. Alors, Color Splash, c'est plus si vous voulez qu'une seule partie de votre photo soit en couleur et pas toute la photo, que le fond il soit en noir et blanc, en fait, comme sur l'image. Voilà.
Retouch, alors Retouch, elle est payante. Par contre, il y a très peu d'applications qui font ça. Ça permet de supprimer juste un truc de la photo. Genre, vous avez fait une super photo de vous à la plage, trop bien, et il y a quelqu'un qui saute dans l'eau juste derrière vous. Ben, vous pouvez gommer la personne derrière sans que ça abîme l'image. Donc, ça, c'est trop de la bombe. Mais c'est pas très cher, hein. Ça doit coûter, je crois, 3,99€, un truc dans le genre. Lightroom, je l'utilise pas trop, mais c'est un petit peu comme Snapseed. Mais voilà, elle a aussi des filtres et tout, mais je la trouve plus compliquée à comprendre. Et VSCO, c'est des filtres en fait, par thème. Donc moi, je vous conseille, une fois que vous avez choisi votre thème, bah, de rester toujours avec le même filtre. Toujours le même filtre, toujours les mêmes paramètres. Si vous augmentez la saturation, la luminosité, que vous enlevez les ombres et que vous avez toujours un fond blanc et toujours le filtre C1, par exemple, vous le notez. Et vous faites pareil pour toutes les photos. Alors, bien sûr, il y a des photos, il faudra que vous changiez un peu les paramètres parce que sinon, ça va faire bizarre en fonction de si c'est un selfie ou de la nourriture. Mais voilà. Donc, je vais juste vous montrer ce que j'utilise le plus dans chaque application. Comme ça, vous saurez comment faire. Alors, hop, prenez-le en photo parce que je vais sortir de là. Dites-moi quand c'est bon. Que je vais vous montrer vite fait les applications que j'utilise. Bon, au pire, vous aurez la vidéo, vous pourrez regarder. Donc, je partage mon écran. Hop. Voilà, donc vous voyez nouveau mon écran. Donc, je vous montre ici. Moi, en fait, j'ai des albums sur mon téléphone. C'est plus facile pour moi. J'aime bien que ce soit organisé. Donc, ici, tout ce qui est Instagram. Donc, à côté, j'ai When to Post. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, vous, au début, vous allez devoir le relier à votre Instagram. Mais quand là, il est en train d'étudier mon Instagram et il va me dire, OK, alors à 10h15 du matin, midi 15 du matin, je peux poster. Donc, c'est minuit et demi, en fait. À 4h30 cet après-midi, je peux poster. À 6h cet après-midi, je peux poster. Donc là, il me dit même que c'est dans 1h03 que je dois poster. Et là, vous voyez, vous pouvez même voir par jour. Vous pouvez voir mercredi, vous pouvez voir jeudi, c'est quoi mes heures où j'ai le plus d'influence, vendredi, etc. Et à côté, vous pouvez même voir un peu des statistiques si vous cliquez sur les petits carrés. Voilà, le taux d'audience, c'est entre 4 et 6 et après 21h. Je peux voir des graphiques par jour. C'est le mercredi et le jeudi et le samedi où j'ai le plus de monde. Et vous pouvez voir comme ça tout de suite les tops de la semaine. Voilà, top de cette semaine. Et moi, ce que je fais maintenant, bah, je me mets une alerte dans mon téléphone 20 minutes avant. Comme ça, je sais qu'il faut que je poste. Mais si jamais je suis en train de faire quelque chose, j'ai un peu de marge. Donc, je me le mets 20 minutes avant. Donc, tous les soirs, je prépare mes 3 alarmes pour le lendemain. Et j'ai 3 alarmes qui s'appellent Instagram. Alors, bien sûr, des fois, je ne poste pas 3 fois parce que je n'ai pas le temps ou quoi. Mais d'où l'importance d'avoir préparé des photos avant. Parce que quand vous ne postez pas des photos merdiques, si vous n'avez pas préparé, ben, vous n'aurez rien à poster. Donc voilà. Donc, voilà cette application. Après, ben, Cleaner, du coup, je ne vais pas vous l'expliquer parce que ça ne sert à rien. Mais comme ça, vous savez qu'on peut suivre et ne pas suivre, etc. Massivement. Mais ça, je ne vais pas le faire parce que du coup, je ne sais pas. Alors, Preview. Il y a une partie qui est gratuite et il y a une partie qui est payante. Donc, Preview, ce qui est génial, c'est que en fait, c'est comme mon Instagram. Donc, vous voyez, toutes celles qui ont un petit carré Instagram dans le coin en transparence, c'est celles qui sont déjà postées. Celles-là, je les ai ajoutées, mais elles ne sont pas encore postées. Donc, je peux les échanger si je trouve que ça fait mieux comme ça. Je peux les supprimer. Voilà. Me dire, donc, mon Instagram, en fait, il ressemble à ça maintenant. Là, il est comme ça pour l'instant. Mais moi, je peux rajouter plein de photos et je peux voir ce que ça donne. Donc, par exemple, si je clique sur le plus là et je vais dire, allez, je vais ajouter, elles sont pas retouchées, celles-là. Voilà, je vais ajouter ça. Ah non, là, ça ne va pas du tout. Je sais que cette photo, elle ne va pas. Mais je me dis, je l'aime bien cette photo, je vais la mettre plus tard. Donc, je la laisse là et je vais prendre, allez, les crêpes. Bon, elles ne sont pas retouchées, celles-là. Donc, vous voyez, le rendu, il n'est pas aussi bien. Mais voilà, si j'ajoute des photos, là, par exemple, je vais ajouter celle-là. Et je me dis,
je me dis, alors celle-là et celle-là, je vais les échanger de place. Par exemple, ça va mieux, disons. Enfin, voilà. En fait, ça vous permet de préparer votre fil au fur et à mesure. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, si maintenant je supprime celle-là, vous avez vu, les photos, en fait, elles se poussent. Elles poussent vers le bas, comme un escargot, en fait. Donc, en fait, ça décale toutes vos photos. Si vous pensez que c'était tout joli, ben, à chaque fois que tu rajoutes une photo, ça décale tout, en fait. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que c'est toujours bien de le faire par 3, par 6, par 9. Comme ça, ça vous donne un rendu. Vous pouvez les changer de place. Alors, ce que j'utilise encore dans cette application, mais là, j'ai payé, par contre, pour avoir les... Ah mince, je suis con, j'aurais dû laisser une photo. Attendez, je vais rajouter une photo. J'ai payé, en fait, un package avec des filtres supplémentaires. Donc, par exemple, là, Patrick qui fait du sport, hop, je vais cliquer sur cette photo. En bas, sur le petit carrousel, si je clique, bon, en fait, j'ai des filtres que j'aime bien. Mais alors, faut savoir que comme j'ai payé, si je clique en haut sur les trois cercles, en fait, j'ai plein de filtres en fonction du thème. Si tu veux plus tropical, si tu veux plus moody, black and white, pastel, couleur, pink. Voilà. Et quand tu cliques dessus en bas, bah, tu as plein de filtres différents. Voilà. Donc, moi, je vous conseille toujours garder le même parce que sinon, votre feed, il sera pas… Et là-haut, sur les trois petits traits… Qu'est-ce que c'est chiant. En fait, vous pouvez changer plein de choses sur l'image. Donc, clairement, moi, en fait, cette application, je l'utilise que pour les filtres. Et il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. Le filtre, quand vous le choisissez aussi. Vous voyez, en bas, il y a un petit truc que je peux bouger là. Je peux le mettre moins fort, le filtre. Je peux le mettre plus fort. Voilà. En fait, parce que des fois, on se dit, ah, un petit peu moins, on peut le mettre moins fort ou plus fort. Donc, dans cette application, j'utilise juste les filtres et préparer mes posts. Vous ne voyez plus rien ? Alors, attendez, je repartage. Merde, j'étais en train de parler pour rien. Alors, attends. Comment faire ? Voilà, je repartage. Plus j'étais à fond dans mon truc, j'ai même pas vu que vous voyez pas. Ok. Alors, si je retourne en preview, voilà, je resélectionne ma photo, je clique sur le carrousel. Voilà. Et maintenant, par exemple, je clique sur ce filtre, il me plaît, mais je le trouve trop fort. Donc, voyez en bas le 10, je vais le descendre. Et je me dis, ah, là, ce serait mieux. Et en fait, donc moi, dans cette application, j'utilise juste le filtre. Donc, si je veux le sauvegarder en haut, je vais cliquer sur « Save ». Voilà. Ça va me garder la photo. Si je veux encore changer, je le trouve trop foncé, ben je retourne sur le carrousel et en haut. Mais ça, je ne l'utilise pas dans cette application. Je l'utilise sur Snapseed. Eh bien, il ne veut pas de nouveau. Qu'est-ce que c'est qu'un bonbon, ça ? Voilà. Bref. En haut, vous voyez les trois petits traits. Du coup, je ne vais pas cliquer dessus, mais vous pouvez avoir accès à tous les paramètres de l'image. Donc, ça, vous pouvez changer l'intensité, etc. Mais ça, moi, je ne l'utilise pas dans cette appli. J'utilise que les filtres. Et vous pouvez, admettons que mon post est prêt. En bas, vous voyez la petite bulle. Je peux cliquer sur la bulle et je peux tout de suite préparer mon texte à l'avance. Et en bas, donc encore un autre moyen d'avoir... d'avoir des hashtags. Si là, je tape hashtag quelque chose, hashtag Joyce, et bien, vous voyez, là aussi, ça me met plein d'hashtags. Ou sinon, ben, dans cette application, ce qui est super, c'est que vous pouvez préparer vos listes de hashtags. Donc, si vous regardez en bas, là, ici, il y a Palm Tree Blue Sky. Donc, ça, c'est quand c'est une liste que j'ai déjà préparée dans cette application. Voyez ? Donc, j'ai juste à cliquer dessus, boum, et ça va mettre mes hashtags de ce que j'ai préparé dans cette liste. Et vous pouvez préparer plein, plein de listes. Et en bas, ici, sur la petite boule, si vous l'activez, vous pouvez préparer votre post. Donc, pour mettre la date et l'heure. Mais attention, vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, Instagram n'aime pas qu'on poste par le biais d'une autre application, mais cette application est super intelligente. En fait, elle ne poste pas pour vous, mais elle va vous envoyer une notification pour vous dire « c'est l'heure de poster ».
Voilà, et après, qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, je vais dire, admettons que mon post est prêt, il y a mes hashtags, il y a mon post et tout. En haut, je vais cliquer sur « Done ». Alors, chez vous, ce sera peut-être en français. Mon post, il est prêt. Et là, maintenant, admettons que c'est l'heure. Je clique sur la photo. Vous voyez en bas à droite, il y a un espèce de carré avec une flèche. Je clique dessus et hop, ça me l'a copié et ça va m'envoyer sur où est-ce que je veux le mettre. Ben, je peux aller directement ou sur ma story ou sur Instagram. Voilà. Et en fait, ben, ça va aussi, je peux aussi copier directement le texte. Et voilà, donc en fait, ça permet de préparer vos posts à l'avance. Donc, je vais le supprimer parce que je ne vais pas le garder comme ça. Et voilà. Et ici, il y a un truc que je n'utilise pas parce que c'est payant. Je n'ai pas envie de le payer. Donc, si, ça y est, ils me l'ont mis. Hein? Comment ça se fait? Ben, ils sont gentils. Avant, je n'avais pas l'analytique. Là, vous voyez, j'ai l'analytique avec le nombre de likes et de commentaires par post, l'engagement que j'ai eu à par date. Mais voilà, si je veux voir le détail en dessous, le meilleur time et les meilleurs, le meilleur temps et les meilleurs hashtags, il ne me laisse pas voir, je dois payer. Mais Vanessa est très intelligente parce qu'elle a trouvé une autre appli qui s'appelle Unum, qui est là. Voilà, donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, c'est le même principe, sauf que celle-là, alors celle-là, je ne l'utilise pas pour planifier, mais mes photos vont se mettre automatiquement dedans parce que, ben, en fait, c'est directement relié à mon Instagram. Mais en bas, vous voyez, alors, il y a le carré des photos, il y a un petit dessin avec des petites boules et des traits. Si je clique dessus, tadam, j'ai tout l'analytique de mes posts, combien j'ai de par photo. Je peux voir par photo combien de likes, combien de commentaires. Je peux voir par mois, je peux voir par semaine. Si je vais en arrière, je veux voir le temps. Bah, lui aussi va me dire le temps, mais lui, j'utilise moins que l'autre. Et les hashtags. Les meilleurs hashtags, pour l'instant, mon meilleur hashtag, c'était Beauty. Et Happy Friday. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, comme ça, vous savez ce qui a marché pour vous. Donc, voilà pour cette application. Rapidement, pour les éditions, ce que j'utilise le plus. Donc, si je vais dans mes applications. Donc, Lightroom, je ne vais pas vous le montrer parce que je n'utilise pas beaucoup. VSCO, c'est une application qui a plein de filtres aussi. Donc, des fois, je vais là-dedans, des fois, je vais dans Preview, mais parce que j'essaie d'avoir de la même qualité d'image. Donc, admettons que je vais prendre une photo au pif. Voilà, je vais prendre celle-là que j'ai postée hier soir. Ben, attends, non, j'arrive. J'arrive parce que c'est à 25. Hein. J'ai bientôt fini, là. Donc, on clique sur les paramètres ici. Et vous voyez, ben, vous pouvez choisir, il y a des milliers de paramètres. Vous n'avez même pas idée. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Donc, attendez, je reviens en arrière. Admettons que je vais faire celui-là. Pareil, si vous le trouvez trop fort, vous pouvez le baisser, valider. Et en bas, vous avez des petits traits. Vous pouvez changer le contraste. Voilà. Vous pouvez changer la saturation. Vous pouvez, en fait, il faut jouer avec les paramètres et vous allez trouver ce qui vous convient, ce qui vous plaît, et pour que vous ayez toujours le même style d'image. Après, ne les saturez pas trop parce que sinon, ça se voit que c'est plus naturel. Voilà. Donc, il faut jouer en fait avec. Donc, en fait, ce que je fais, moi, tout ce qui est sélection de l'image, donc saturation, contraste, exposure, je le fais dans Snapseed. Les filtres, je les prends soit dans VSCO, soit dans Preview. La planification, je la fais dans Preview. Mes analytiques, je les regarde en Unum. Et la préparation de mes posts, ouais, tout dans Preview. Comme ça, ça vous donne un petit peu une idée. Et certains filtres dans Preview aussi. Voilà, donc je ne vais pas garder ça. Donc là, voilà, ça vous donne une petite idée. Et l'autre, alors celle que je préfère, mais vraiment que je préfère, Snapseed. Alors là, on peut faire des trucs de fou sur cette application. Donc, je vais juste vous montrer rapidement, parce que je ne vais pas vous montrer tous les paramètres, ça prendrait trop de temps, mais je vais prendre une photo que je n'ai pas encore retouchée. Voilà, donc celle-là, par exemple, elle est très sombre. Donc, je vais aller, j'utilise pas les filtres, puisque je les utilise ailleurs, mais c'est la première chose que je fais, c'est ça. Je retouche l'image, après, je l'envoie dans les filtres, je change le filtre, et après, je la prépare. Donc, la première chose, je clique sur « Tune image ». Et là, je vais cliquer en bas sur les petits traits. Et en fait, cette application, ça marche de droite à gauche. Ou après, il faut changer en allant de haut vers le bas, en fait. Donc là, vous voyez, par exemple, juste en changeant la luminosité, ça change tout.
mais bon, je veux pas non plus qu'on voie plus la plage derrière. En changeant un peu le contraste, voilà. Hop. Mais par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en haut à gauche, c'est vachement plus foncé. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ici. Je vais faire valider déjà ce que j'ai fait. Je vais aller dans les outils. Et à droite, je vais aller dans sélective. Et dans sélective, je vais pouvoir toucher une zone de ma photo et l'éclaircir. Voilà. Je peux même changer le contraste juste de cette zone de la photo. Je peux la saturer un peu si je veux. Voilà. Et après, je vais me toucher moi. Hop, parce que je veux être plus clair. Hop, et je vais augmenter la luminosité de Vanessa. Ta-dan ! Et voilà. Donc, on peut faire vraiment des trucs de ouf. Donc, ça m'a pris du temps de comprendre comment ça marche. Je vous le dis tout de suite. Donc, ça demande un peu de jouer dans les applications jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous plaît. Et après, valider. Il y a un autre truc que j'aime bien aussi ici. C'est brush. Donc, admettons que vous ayez… attendez, je vais vous montrer avec une image qui va avec. Voilà, admettons que je vais en ouvrir une autre galerie. Voilà, admettons que je veux juste éclaircir la zone autour de ma main. Je vais cliquer sur brush. Exposure, et là je vais juste dessiner avec ma main autour. Ah merde, ça ne va pas me laisser faire. En gros, si par exemple vous avez. Vous voyez ce que je fais ou pas? Ouais. Ok, alors attends. Disons. Je vais reprendre une autre image. Voilà, admettons sur cette image. Je trouve que le fond, là, il est trop foncé. Donc, je vais cliquer sur ça, sur le pinceau, et je vais mettre exposure, et je vais passer le pinceau à côté, juste pour que l'image, elle soit blanchie autour. Voilà. Alors, vous pouvez le faire de manière plus précise en zoomant comme ça. Voilà. Mais du coup, vous voyez le rendu autour. Bon, je le fais à l'arrache, là, mais pour vous montrer, c'est vachement plus joli. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que j'utilise dans cette image. J'aime bien aussi utiliser détails parce qu'on peut intensifier les détails de l'image. Voilà, en fonction de ce que vous voulez. Voilà pour cette application. Et la dernière, et après, je vous laisse. C'est Color Splash, c'est très facile. Il suffit de toucher la zone qu'on veut éclaircir. Facetune. Donc, ça, c'est pareil. Il faudra un peu fouiller dedans. Mais Facetune, il suffit de télécharger. Le mieux, c'est un selfie. Non, attendez, hop. Ouvrir une photo. Je vais essayer de trouver un selfie. Voilà, disons que, même si elle est petite, l'image. Ici, vous pouvez, avec Smooth, c'est ce que j'utilise le plus. Si je veux lisser, par exemple, si j'ai des rides sur le front ou sous mes yeux que j'aime pas, je peux lisser sous mes yeux pour que ce soit plus lisse, mon visage. Voilà. Ou si vous avez une ride mal placée que vous n'aimez pas, vous pouvez lisser en touchant la zone. Si vous avez trop lissé, vous pouvez toucher la gomme et effacer ce que vous avez fait. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à faire. Si je reviens en arrière, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est le détail. Donc, détail, si je zoome et que je veux qu'on voit bien mon œil, hop, je vais juste toucher mon œil, je vais toucher mon autre œil, hop, je vais toucher ma bouche. Et regardez maintenant, hop, on voit super bien mes yeux et ma bouche. Voilà, si j'ai un peu trop fait, je peux effacer un peu. Voilà. Et alors ça, ne le faites jamais. Vous voulez rigoler un coup. Vous pouvez modifier une zone de votre visage. Alors attends, il ne veut pas me le faire faire. Voilà, mais ça fait des trucs un peu chelous. Il y a des gens qui essayent de se faire mincir avec ça, mais je trouve ça trop bizarre. Donc, je ne le fais pas. Voilà. Et puis, si patch, donc patch, si vous avez un bouton, eh ben, il suffit de toucher la zone que vous voulez copier et la zone que vous voulez gommer. Voilà, ou si vous avez une tache de maquillage ou quoi, ou voilà. Si vous avez les yeux rouges, vous pouvez aussi aller sur Red Eye. Et le dernier truc que j'utilise sur cette application, c'est Défocus. Donc, je vais vous montrer. Défocus, ça veut dire si par exemple, je veux autour de moi. Non, j'y arrive plus. Enfin, il faut jouer avec l'application, j'y arrive plus. Mais vous pouvez zoomer juste sur une partie de l'image et. Pour que le reste autour de vous soit flou.
Donc, voilà pour le plus gros des applications. C'est pour ça, comme je vous disais, ça fait déjà beaucoup. Donc, je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui pour les stories. Donc, comme dit, restez connectés. La semaine prochaine, mardi prochain, ce sera les stories. Donc, voilà, à vous d'être nombreux. Maintenant, vous savez plein de choses. Vous avez déjà beaucoup de choses à appliquer. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir été nombreux ce soir. Je vous fais plein de gros bisous. Ben, à vous de devenir des pros d'Instagram maintenant. À bientôt. Bye.